Alors, c'est parti. Ok. Buonasera a tutti. Ciao Bologna, ciao Italia. È la bellissima proposta di Bologna, di questi ospiti incredibili che conosceremo stasera, che ci faranno conoscere. Ils nous feront connaître une partie de notre histoire que parfois on tend à oublier, mais elle est très présente dans nos vies, dans la vie de nos parents, de nos pères. Nos grands-pères aussi. Et pour commencer, la bienvenue de la Fédération des Alliances françaises, qui est heureuse de vous accueillir dans son espace virtuel, mais le bonheur est celui de partager avec Bologne ce beau, ce grand, cette belle exposition que vous allez nous présenter. Et donc, je passe la parole à Licia Reggiani, la presidentessa o la presidente, come si vuole, di Bologna, che ha organizzato questa bella iniziativa. Grazie Licia, e a te la parola. Lello, grazie. Allora, sì, il microfono funziona. E, allora, come dicevo, comincio in italiano e finisco in francese. E, visto che mi hai dato la parola tu, voglio cominciare ringraziando te e la Fédération des Alliances Françaises. Vedo varie, numerose alliance presenti e le ringrazio tutte. E do molto volentieri il benvenuto a tutti a questo incontro di oggi pomeriggio intorno alla mostra Ciao Italia, che da qualche giorno è presente all'Alliance Française di Bologna in via De Marchi e da qualche giorno soprattutto è visitabile. Buona notizia, essendo appunto zona gialla, la mostra potrà essere visitata su prenotazione, come seguendo le modalità indicate sul sito. Però siamo molto, molto lieti di ospitare questa mostra nei nostri locali di via De Marchi. Come sappiamo, ormai facciamo, insomma, siamo molto abituati al virtuale, per cui la mostra è sì visitabile in presenza, però siccome, date le difficoltà, non è detto che sia facilmente visitabile da tutti, siamo molto molto contenti di presentarvela oggi e di parlarne con le persone che ora vado a presentarvi e a ringraziare per la loro presenza oggi qua. Donc nous allons les intervenants de cet après-midi seront donc Stéphane Mourlan, commissaire scientifique de l'Expo et professeur d'histoire contemporaine à l'université Aix-Marseille, Isabelle Reynard, commissaire générale de l'Expo et responsable des collections d'art contemporaine au Musée national de l'histoire de l'immigration. Madame Agnès Arquez-Roth, chef du réseau, du service réseau et partenariat du Palais de la Porte Dorée. Le collègue Riccardo Brizzi, professeur de l'univers d'histoire contemporaine de l'Université de Bologne. Et donc, je tiens à les remercier tous pour leur participation de cet après-midi et j'attends impatiemment de les écouter nous parler de l'histoire et des thèmes de l'expo, en fait, du musée de l'immigration, de cette expo et aussi de l'histoire de l'immigration que, comme le disait tout à l'heure Lel, on a tendance à oublier ou à méconnaître. Ou ne pas trop connaître, disons. Je tiens aussi à remercier l'Institut français qui nous a envoyé et transmis cette expo, la Fédération des Alliances françaises et toutes les alliances, je viens de le dire, l'équipe de l'Alliance française de Bologne et notamment Stefano Valigi qui a accepté avec enthousiasme d'organiser cette rencontre, le conseil d'administration et en particulier ma complice Michela Mengoli, que je vois ici, et tous les participants d'aujourd'hui. Je tiens aussi à vous dire que l'expo, nous espérons, sera seulement la première étape d'un cycle autour du thème de l'immigration, puisque par la suite, le 25 du mois de février, on est en train d'organiser une rencontre avec le dessinateur Baru, donc autour de la bande dessinée Bella Ciao, et dont le premier tome a été traduit et publié en Italie. Donc, nous allons nous en
discuté avec Enrico Fornaroli dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, Ilaria Tondardini di Amelin et Baru qui va présenter cette bande dessinée. Et nous avons aussi la possibilité pour les membres et les associés de l'Alliance française de Bologne de voir le film Tony de Jean Renoir le 18 et 19 février. Et je remercie Enrico Farinelli de la Cinéthèque de Bologne qui nous a donné cette possibilité. À l'occasion de la rencontre sur Baru, donc le 25 février, nous aurons, j'espère, le plaisir aussi d'écouter le directeur du lycée Galvani de Bologne, que je vois ici, Monsieur Aurelio Alaimo, que je remercie beaucoup pour sa présence aujourd'hui et que nous sommes très heureux de sa présence à l'Alliance, de sa présence au lycée Galvani, et nous espérons vraiment. Nous avons toujours collaboré et organisé des événements ensemble avec le Galvani, mais nous espérons que votre francophilie sera une bonne, nous donnera la possibilité de collaborer encore plus. Donc, je vous remercie tous et je laisse la parole à Monsieur Alaimo, donc, en le remerciant pour aujourd'hui et nous espérons aussi pour sa présence le 25. Je pense que vous pouvez, oui, ouvrir le micro. Oui. Okay. Merci. Alors, merci, j'espère qu'on écoute bien. Je ferai le contraire que vous, je commencerai en français, juste quelques mots, et puis je continuerai en italien, comme ça je serai plus relaxé, mais juste pour une courte intervention, pour remercier Madame Reggiani et l'Alliance française pour l'invitation. Je suis très lié, très attaché à l'Alliance française, tout d'abord en tant qu'ancien élève, dans des décennies lointaines, hélas, quand j'étais étudiant à l'université dans les années 70, donc c'était même à notre siège. Je suis endetté à l'égard de l'Alliance française, non seulement pour l'apprentissage de la langue, mais surtout pour la meilleure connaissance de la culture française. Et bien entendu, je suis ravi d'être ici au nom du liceo Galvani, le premier liceo en Italie à Bologne, à intégrer les dispositifs ESABAC du double diplôme et donc à suivre un parcours scolaire qui ensuite s'est répandu à Bologne hier. Je voudrais ajouter aussi que je suis ici aussi en quelque sorte en tant qu'homme d'école, c'est-à-dire l'attachement à la culture française et à l'ouverture internationale qui caractérise le lycée Galvani et commène en fait beaucoup d'autres lycées à Bologne et qui sont capables à la fois d'être enracinés dans leur propre territoire et ouverts aux réalités internationales. Donc j'espère que vraiment avec l'Alliance française on puisse continuer la tradition de collaboration et la renforcer. Juste des mots pour conclure cette intervention sur l'exposition que j'ai eu la chance de visiter au palais de la Porte Dorée. J'ai dirigé les lycées italiens à Paris pour 9 ans et à l'occasion j'ai visité avec beaucoup d'intérêt cette exposition et j'ai trouvé en quelque sorte, si vous me permettez, le même esprit qui caractérise nos parcours scolaires. Quand on parle de l'ESABAC, on aime utiliser une expression un peu à la mode en fait, on parle toujours des regards croisés, c'est-à-dire on dit que ce qui compte vraiment, ce n'est pas que l'apprentissage des langues et des contenus, mais c'est surtout la capacité, et là, il faut que je passe à l'italien parce que ça devient un peu plus compliqué, la capacità di confrontare tradizioni culturali diverse, tradizioni pedagogiche diverse, e passare con agilità da una frontiera all'altra, che è esattamente quello che ho capito visitando la mostra essere lo spirito appunto di questa esposizione. Ho avuto la fortuna di visitarla insieme all'autrice di un saggio del catalogo, una storica dell'immigrazione non solo, Manuela Martini, che accompagnandomi mi faceva notare l'attenzione della cultura francese, in genere dei francesi, verso le realtà regionali dell'Italia dei 100 campanili. È molto forte nell'esposizione. Io spero di tornare a visitarla, sia pure nella sua versione inevitabilmente più ridotta
all'Allianz, perché era un aspetto che allora mi aveva molto colpito. Naturalmente, a volte in modo un po' confuso, non si può pensare che le tante differenze regionali siano così ben conosciute anche in Francia. Però mi ha colpito perché è qualcosa di cui non esiste reciproco. Spesso l'immagine francese in Italia è appiattita su Parigi, nel bene e nel male. Ho sul mio tavolo uno degli ultimi numeri di una bellissima rivista, The Passenger, che dopo aver dedicato dei numeri monografici a tanti paesi, l'Islanda, la Grecia, la Svezia e il Brasile, è arrivata alla Francia e l'ha dedicato a Parigi, non alla Francia. E allora lo dico perché, a mio avviso, nella nostra missione, in qualche modo, utilizzo parole grosse, potrebbe esserci, chi lo sa, magari collaborare per una futura esposizione Bonjour la France, sui francesi in Italia. Ecco, e naturalmente potremmo sbizzarrirci su tanti aspetti e potremmo contribuire a che i francesi ci insegnino a conoscere meglio il loro stesso paese. Quindi grazie, è il primo, spero, di una serie di altri incontri e mi metto all'ascolto umile degli esperti. Grazie tante. Grazie davvero per queste parole, speriamo che insomma siano di buon auspicio per i prossimi eventi. E partiamo subito con l'idea della Francia in Italia, senza immediatamente, per organizzare qualcosa. Bien, très bien. Alors, je passe donc, j'ai le plaisir de passer la parole, si je ne me trompe, en premier à Agnès Arquez-Roth, donc, qui va ouvrir cette conférence et que je remercie encore une fois. Et voilà, bonne rencontre. Merci à tout le monde. Lelle, je compte tout sur toi pour tout ce qui est... Oui, non, elle doit ouvrir son micro. Ça va, ça marche. Voilà, c'est fait. Agnès, vous devez ouvrir votre micro. Oui, ça ira mieux comme ça. D'accord. Merci Agnès. Donc, je vous dis bonjour à nouveau et merci de cette invitation à introduire donc cette conférence en vous faisant un peu le tableau du contexte dans lequel ces expositions sont produites par le Musée national de l'histoire de l'immigration et donc de vous raconter un petit peu très rapidement, je vais le faire très très vite, raconter un passage pratiquement 15 ans de l'histoire d'un musée en 5 minutes, vous m'excuserez pour les réductions, mais voilà, les choses qui me semblent importantes, c'est de dire que c'est un musée très singulier dans le paysage des musées nationaux en France, tout d'abord parce qu'il est né d'une demande sociale au travers de l'action d'un réseau d'acteurs sur tout le territoire national. C'est une chose unique dans la création d'un musée national en France. Aussi parce que, et Isabelle pourrait en parler longuement, c'est un musée qui a été créé sans aucune collection préalable et c'est ce qui nous a amené à nous interroger même sur le sens de ce que c'est que le patrimoine de l'immigration. Est-ce qu'il existe un patrimoine de l'immigration différent du patrimoine national? Si tel est le cas, alors comment le définir et comment le développer? Ensuite, on a bien sûr, si on a pu créer ce musée en à peine 3 ans, c'est parce qu'il était fondé sur les bases d'un travail depuis presque 30 ans de ce fameux réseau d'acteurs, puisque des rapports histoire-mémoire de l'immigration avaient été créés dans chacune des régions et que des répertoires de projets permettaient de voir toutes les initiatives qui avaient été développées pendant 30 ans par ce réseau d'acteurs. Et c'est un peu sur la base de ces réflexions que quand même le musée a été créé. Et puis aussi, il est singulier à ce dernier titre, qui est le fait que ce projet a été construit de façon très collaborative dans le cadre de la mission de préfiguration, puisque nous avions organisé 12 rencontres régionales pour prendre un peu le pouls et l'avis et les attentes, les désirs aussi qui pouvaient être présents dans les régions pour la création de ce musée national d'histoire des migrations, avec aussi un forum national des associations et bien sûr un conseil scientifique de chercheurs qui permettait d'accompagner les équipes du musée sur la création de ce musée. Alors, comme je ne sais pas si tout le monde a pu venir à Paris visiter le Musée national d'histoire de migration, je vous ai mis vraiment une ou deux photos pour montrer que ce musée, eh bien, il est
installé dans un palais colonial, le palais de la Porte Dorée, donc ce n'est pas neutre. Ça nous permet de comprendre ce musée dans le temps long de l'histoire et en même temps de raconter aussi les frottements de cette histoire entre l'histoire coloniale et l'histoire de l'immigration, puisque le bâtiment porte déjà un message. Mais vous voyez qu'on essaie de casser aussi ce langage très fort du palais colonial en y apportant des éléments contemporains. J'ai mis cette image de nuit parce qu'on peut voir la fresque monumentale très imposante de quand on rentre dans ce palais. Et donc, là encore une fois, toute la difficulté à créer ce récit sur l'histoire de l'immigration, même si on peut admirer la beauté de ce palais Art déco, on ne peut en aucun cas ignorer les messages qui en sont portés. Et puis, vous voyez, encore une dernière image de cet espace central dans le palais de la Porte Dorée qui vante les valeurs civilisatrices de la France coloniale. Donc, à chaque fois, le frottement d'histoire y amène beaucoup finalement de richesse dans le travail qu'on peut conduire au sein du Musée national d'histoire des migrations. Donc, très vite, dire que le musée, sa mission officielle, vous allez voir, très ambitieuse, rassembler, sauvegarder, mettre en valeur, rendre accessibles les éléments relatifs à l'histoire de l'immigration, notamment depuis le 19e siècle, et de contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d'intégration des populations immigrées dans la société française et de faire évoluer les regards et les mentalités sur l'immigration. Autant dire que le musée a sans doute de longues heures encore et années à vivre, puisque c'est un projet qu'on peut voir extrêmement, extrêmement ambitieux. Alors, pour réaliser cette mission très, très large, très ambitieuse, le musée réalise donc cette mission au travers de son exposition permanente, qu'il est en train de revoir entièrement en ce moment pour une nouvelle ouverture en avril 2022. Des expositions temporaires, il y en a environ deux par an, qui alternent à la fois des sujets culturels et des sujets liés à une immigration spécifique, comme cela a été le cas pour l'immigration italienne en France. Un centre de ressources qui permet d'aller au-delà de la question de l'histoire de l'immigration sur toutes les questions connexes de la diversité culturelle, de l'identité, des appartenances, de l'exil, etc. L'action éducative très importante, puisque environ 1500 enseignants viennent au musée pour découvrir l'offre culturelle et les ressources et enrichir l'histoire de l'immigration dans les parcours scolaires. Les publications, bien sûr, du musée au travers notamment de sa revue Hommes et Migrations, qui est une revue en sciences sociales, son implication dans la recherche, et puis pour revenir à ce lien constant avec les territoires grâce à une animation d'un réseau et au développement d'un dispositif d'exposition mobile et de médiation hors les murs dont vous allez bénéficier dans quelques jours au sein de l'Alliance française de Bologne. Alors, je voulais revenir aussi peut-être sur cette action territoriale, parce qu'à la fois elle est originale dans un musée national, et puis elle est illustrée aujourd'hui par le fait que vous présentiez cette exposition mobile au sein de votre structure. C'est un enjeu parce que cette mission hors les murs, elle relève évidemment à la fois de l'origine, vous avez pu le voir, puisque c'est ce réseau de partenaires qui a demandé la création de ce musée national, mais aussi de sa finalité, puisque l'idée, c'est de pouvoir rayonner et de pouvoir développer un dialogue constant sur les territoires pour plus humblement contribuer à changer le regard sur l'immigration et les populations immigrées. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, après 15 ans, ce défi est relevé au niveau national avec en moyenne 69 000 visiteurs de ces 5 expos mobiles en circulation, dont celle de Ciao Italia, et puis bien sûr des séminaires, des débats, des expositions qui sont aussi développées sur tout le territoire. Mais on peut se souhaiter que, et c'est ce qu'on essaie de faire depuis ces dernières années, d'amplifier au niveau international ce rayonnement du Musée national d'histoire d'immigration
pour rentrer en dialogue avec d'autres musées des migrations, comme on le fait depuis 2 ans maintenant avec Migration Museum Network, qui réunit 22 musées des migrations au monde et qui essaie de partager leurs réflexions et de monter des projets ensemble. Et puis, bien sûr, les collaborations qu'on développe avec le réseau français à l'étranger, des alliances françaises et des instituts français. Voilà, du coup, moi, je voulais simplement vous faire cette présentation très rapide pour vous dépeindre un peu le contexte dans lequel cette exposition temporaire a été produite et aussi pourquoi il nous a paru important de la décliner en exposition mobile de façon à pouvoir avoir ce genre de programmation et de développement. Voilà, merci. Merci, merci beaucoup. Et donc, voilà, on est parti du grand, disons, du musée pour mieux détailler l'expo. Je passe donc la parole à Stéphane Mourlan, qui a déjà partagé, je crois, l'écran. Donc, merci. Ou Isabelle Reyna. Non, c'était Stéphane, non? Ou c'était Isabelle? Là, je me trompe. Pardon. Alors, Stéphane m'a appuyé sur le bouton pour lancer le film. Ah, ok, d'accord. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à toutes et merci beaucoup pour cette invitation qui nous donne l'occasion de vous présenter la manière dont nous avons conçu l'exposition Ciao Italia, qui différait un peu de l'exposition mobile. Donc Ciao Italia, un siècle d'immigration et de culture italienne en France, 1860-1960, qui a été présentée au musée en 2017. Il s'est agi pour nous de souligner les apports et les enrichissements des migrations transalpines à la société française en montrant les caractéristiques de cette première grande émigration moderne de masse et l'un des plus grands mouvements migratoires en France, puisque, comme vous le savez, jusque dans les années 60, les Italiens furent les étrangers les plus nombreux dans l'Hexagone. Alors, d'abord le commissariat, je tiens à préciser que le commissaire général était Dominique Paini, qui n'a pas pu malheureusement être avec nous ce soir, mais qui nous accompagne évidemment en pensée, qui était un commissaire indépendant, spécialiste du cinéma italien. On lui doit une très belle exposition Antonioni. Il a dirigé aussi la Cinémathèque française. Et puis évidemment, il y avait Stéphane et moi-même. Alors, nous nous sommes posés tout de suite, tous les trois, la question de savoir comment finalement raconter, montrer, comment mettre en récit, comment rendre visible cette histoire à travers la multiplicité de regards, déjà des regards des trois commissaires, mais aussi des approches, et également à travers, comme vous pouvez le voir déjà, un premier aperçu, mais on va revenir plus précisément dessus, à travers des correspondances que nous avons tenté de créer à chaque fois entre des documents historiques, des objets, des témoignages, des œuvres d'art modernes et contemporains qui provenaient d'institutions françaises et italiennes, des commandes passées à de jeunes artistes et des extraits de films documentaires et de fiction. Donc, en tout, une liste d'œuvres qui faisait environ 386 items et 31 extraits de films documentaires ou de fiction. Alors, l'exposition elle-même était construite en deux temps forts, deux moments, deux chapitres, un sas introductif que nous avons pensé un peu comme un choc mémoriel, comme un prologue historique et métonymique. Vous allez tout de suite voir la première image, voilà. Donc, on rentrait dans ce sas. Et ensuite, le corps véritable de l'exposition, qui, lui, se déclinait en trois parties qui répondaient finalement aux trois questions que nous nous posions. D'où viennent ces Italiens? Par où passent-ils? Où s'installent-ils? Que font-ils? Quel métier exercent-ils? Et que nous laissent-ils? Quelles empreintes ont-ils laissées? Alors, ce sas introductif que vous pouvez voir ici était construit dans cette rotonde autour de cette œuvre d'un artiste d'origine égyptienne, Motaznar. Et le sas était construit par rapprochement, par résonance et par opposition. Et il scandait quatre périodes qui donnent à voir un temps fort, un moment majeur de cette immigration italienne à travers la sélection d'objets métonymiques. Premier temps fort, 1860-1870, une nation de migrants. Ensuite, 1880, alors effectivement avec deux éléments évidemment symboliques. Ici, le buste de Garibaldi qui a été fait, celui-là, par Raphaël Nannini, donc figure épique du Risorgimento, l'un des principaux instigateurs de l'unité italienne en 1861, aux côtés de Cavour, Mazzini et Vittorio Emanuele. Et puis, on a voulu montrer que cette émigration italienne a coïncidé paradoxalement avec cette grande émigration qui verra jusqu'à la veille du premier conflit mondial 14 millions d'Italiens quitter la péninsule pour rejoindre les États-Unis et l'Argentine et près de 2 millions, plus exactement 1,6 million, la France. Et ça, nous l'avons, ils seront donc d'ailleurs entre 1860 et 1960, les arcs de notre exposition, 26 millions à partir et à quitter leur pays.
difficultés économiques, archaïsme social, tensions sociopolitiques sont effectivement les causes mêlées de ce que d'aucuns appelleront cet Ulysse collectif. Alors nous avons eu l'extrême bonheur et la chance d'avoir ce tableau qui nous venait de la Galleria Nazionale Moderna, d'Arte Moderna Contemporanea de Rome, qui est un tableau Gli Emigranti du peintre toscan Angelo Tommasi, qui justement a très bien su décrire en 1896 par cette toile vraiment monumentale, huile sur toile, l'exode massif des Italiens qui partaient des différents ports de Palerme, Naples, Livourne ou Gênes. C'est vraiment un prêt exceptionnel. Nous avons d'ailleurs dû les litreuiller parce qu'ils ne passaient pas par évidemment les ascenseurs et les monts de charge. Et c'est donc un tableau qui a été, comme vous le savez, effectué quelques années après la proclamation du Royaume d'Italie. Et pour mieux traduire cette immense épopée, Tommasi a recours à différents procédés. D'abord, les dimensions extrêmement imposantes, je vous l'ai dit, 2,62 m sur 4,33 m. La construction perspective de cette œuvre qui rend compte effectivement des effets de l'éloignement en nous plaçant, nous, visiteurs, en face du tableau et en face à cette foule immense qui va en s'amenuisant. Évidemment, la diversité des figures représentées, la figure du migrant est avant tout masculine, mais si on regarde bien, on voit aussi des femmes assez jeunes, des femmes enceintes, des enfants, des femmes plus âgées, pour montrer que ce sont des familles entières qui partent. Et puis le détail qu'il a voulu donner à certaines, qu'il a porté à certaines attentions, par exemple les foulards des femmes qui sont pour certains noués derrière la tête, comme le faisaient sûrement les paysannes de la Ciociaria, et d'autres noués plutôt sous le menton, comme le faisaient les paysannes en campagne toscane. Donc autant de ressorts, si vous voulez, il y en a d'autres évidemment, mais que Tommasi a utilisé pour montrer que c'était véritablement tout un peuple qui était en mouvement, que c'est l'Italie qui se déplace. Alors on ne le voit pas ici, mais vous avez tout à l'heure parlé de Toni, il y avait une autre confrontation très belle et très rare à mon avis, qui était un dialogue entre deux films, un film de Febo Mari qui s'appelle L'Emigrante, et que nous avons eu du Museo Nazionale del Cinema de Turin, qui a été fait en 1915. C'est une espèce de peinture d'histoire qui est racontée l'histoire d'un père de famille italien qui partait en Argentine pour tenter de trouver une vie meilleure et fuir la pauvreté de la région de Turin. Et à ça, nous avions mis en opposition, en exergue, en face, le film de Tony Renoir qui décrit 20 ans après, donc en 1935, qui retrace l'arrivée et le parcours tragique d'un immigré italien en Provence. Alors, évidemment, cette histoire ne s'est pas faite sans heurts, sans violence ni passion au début, et nous avons vraiment tenu à le rappeler. C'était le deuxième temps fort de ce sas introductif, 1880-1910, violence et passion, qui rappelait les deux grands épisodes xénophobes que sont, je vais laisser mon ami Stéphane, voilà, les vêpres marseillaises et les affrontements d'Aigues-Mortes. Merci Isabelle, bonsoir à tous et merci de votre accueil. Un accueil qui n'a pas toujours été réservé, loin s'en faut, à ces migrants italiens, très, très nombreux, Isabelle le rappelait. On peut même dire, sans exagération, que ces Italiens ont été mal accueillis. Et il y a eu plusieurs épisodes de violence, de xénophobie, d'italophobie à leur égard. Vous avez ici à l'écran l'un de ses principaux épisodes. Il s'agit des tueries d'Aigues-Mortes. Nous sommes au mois d'août 1893 dans les salins d'Aigues-Mortes et les ouvriers français s'en prennent aux ouvriers italiens. Et cela donne lieu à une chasse à l'ours, pour reprendre les termes de l'époque. Et c'est intéressant ce terme d'ours, puisque non seulement il implique une animalisation de les migrants, mais on voit aussi que ici, l'Italien est un prédateur. Il est un prédateur, il est une menace, il est un danger, et notamment sur le marché du travail, à un moment où nous sommes dans une crise économique, et les Italiens, qui sont donc parmi les étrangers les plus représentés en France, sont considérés comme des concurrents déloyaux sur le marché de l'emploi. Donc, ce qui permet d'ailleurs, au passage, de donner la signification de l'intitulé de l'exposition, Ciao Italia. Le Ciao Italia, c'est le salut de la bienvenue, mais c'est aussi le salut, et un salut un peu brutal, de le revoir, veuillez quitter les lieux, parce que ils sont considérés comme des envahisseurs, c'est un thème qui est fréquemment employé, le mythe de l'invasion. Ils sont une menace, je le disais, une menace pour l'emploi. Ils sont aussi considérés comme une menace pour l'ordre social. Et la figure la plus répandue de l'Italien à l'époque, c'est celle du manieur de couteau.
On a donc une association entre l'italien, l'étranger et le criminel. Et nous avions d'ailleurs présenté à Paris, dans l'exposition, le couteau de Caserio, qui est l'anarchiste italien qui a assassiné le président de la République en 1893. Et vous imaginez que cet événement, eh bien, a non seulement renforcé l'image de l'italien manieur de couteau, mais il a eu des répercussions sur l'ensemble de la population italienne française. Alors, le dernier temps que nous avions choisi de mettre en exergue, c'est celui dans l'entre-deux-guerres. Alors, ça a pu surprendre, et c'était d'ailleurs fait pour, hein, que nous présentions ce buste connu d'Adolfo Wild, hein, qui fait partie de la propagande mussolinienne, donc le buste du Duce, qui était là pour signifier eh bien, que cette migration italienne, elle s'est faite à l'ombre des faisceaux, hein, d'une certaine manière. Autant le dire immédiatement, l'immense majorité hein, des émigrants italiens se sont maintenus dans un statut de stricte neutralité politique. Pourquoi ? Bien parce que l'engagement politique, c'était prendre le risque éventuellement eh bien, d'être renvoyé, d'être expulsé de France parce que les autorités françaises et l'opinion publique française eh bien, acceptaient mal que les étrangers se mêlent de politique. Il n'en reste pas moins, et vous le savez sans doute, que le régime fasciste a mis en œuvre une politique extrêmement volontariste, voire agressive, hein, d'encadrement hein, dans la perspective totalitaire et de défense de l'italianité. Il y a donc eu toute une propagande, et notamment en France, ce qui était particulièrement redouté, eh bien, c'était la politique assimilationniste, hein, favorisée notamment par une loi en 1927 qui permet plus facilement de se naturaliser. Et ça, pour le régime fasciste, c'était évidemment catastrophique, et d'ailleurs, l'un des slogans, hein, « Tu sei italiano, devi restare italiano hein, »,« Tu es italien, tu dois rester italien. Et par ailleurs, cet engagement fasciste suscite la réaction des antifascistes, dont nous allons reparler ultérieurement, donc des tensions au sein de la communauté italienne, des tensions particulièrement mal perçues au sein de la société française. Alors, nous entrons ici dans la première partie de l'exposition, consacrée aux itinéraires de ces Italiens, et vous voyez ici à l'écran les deux portes d'entrée officielles, même si d'ailleurs, il faut bien le dire, ici, nous avons mis une carte postale du poste frontière à Menton, Mentone, hein, mais dans les faits, la frontière était à Vintimille, à la gare de Vintimille, qui était une gare internationale, tandis que l'autre porte d'entrée est une autre gare internationale, qui est celle de Modane, hein, en territoire français. Et vous verrez d'ailleurs hein, dans le film Tony, que vous allez découvrir prochainement, eh bien que Tony vient en train, hein, se déplace en train pour arriver jusque dans la région marseillaise, à Martigues précisément. Mais en même temps, dans l'imaginaire collectif, et notamment du côté italien, et c'est pour cela que nous avons présenté cette une de la Domenica del Corriere, hein, en fait, la migration est perçue comme, dans un versant, vous le voyez ici, tragique, hein, misérabiliste. Alors, il est vrai que nombreux ont été ces migrants italiens qui ont emprunté les chemins de la clandestinité. Hein, je vous renvoie notamment, puisqu'on parle de cinéma, hein, vers le film de Germi, hein, Il Camino de la Speranza, hein, qui met en scène justement cette perspective misérabiliste. Je vous rappelle d'ailleurs au passage que les chemins qui étaient empruntés à travers les Alpes par ces Italiens sont aujourd'hui, que ce soit dans l'arrière-pays de Nice, ou du côté de Briançon, les mêmes chemins qu'empruntent hein, les réfugiés de la crise dite migratoire aujourd'hui. Donc, des entrées massives, mais également, il est important de le dire, une circulation importante. Isabelle rappelait l'importance des mouvements, je vous donnerai ici juste un seul chiffre. Au cours de la période dite de la grande émigration, avant 1914, il y a 1 800 000 Italiens qui ont quitté l'Italie pour la France, selon la statistique italienne. Or, au plus fort de leur présence, ces Italiens sont 420 000 en France. 1 800 000 d'un côté, 420 000 de l'autre. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, ça signifie qu'il y a en fait un va-et-vient permanent entre nos deux pays, et qu'il vaudrait d'ailleurs mieux parler de circulation hein, plutôt
que de migration hein, dans le cas présent. Alors, ces Italiens, eh bien, ils se répandent à travers le monde, hein, notamment outre-Atlantique, hein, et là aussi en termes d'imaginaire d'ailleurs du côté italien, hein, lorsqu'on parle d'émigration, y compris dans les musées de l'émigration en Italie, c'est souvent associé à la traversée maritime, à la traversée transatlantique. Il est vrai, vous le voyez hein, sur cette carte, que les Italiens ont été très nombreux hein, à se rendre en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, mais ils l'ont été tout aussi vers l'Europe et en particulier en France. Et en 1924, au moment où les États-Unis établissent une politique de quotas, c'est-à-dire qu'ils ferment leurs frontières, eh bien la France devient la principale destination hein, des Italiens. Et ils sont d'ailleurs à ce moment-là les plus nombreux. En 1931, il y a 800 000 Italiens de nationalité italienne présents sur le territoire français. Ces Italiens, ils viennent, vous le voyez ici, d'abord, au cours de la première période, surtout du nord, hein, du nord de la péninsule, hein, pour des raisons de proximité évidemment géographique. Les Italiens du Sud, eux, ont plutôt tendance à prendre le bateau et à traverser l'Atlantique pour aller en Amérique. Vous voyez qu'après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les choses s'équilibrent hein, et que les méridionaux, hein, les Italiens du Mezzogiorno, eh bien, viennent massivement également vers la France. Où se rendent-ils en France ? Eh bien, au début de la période, il y a deux pôles principalement, la région parisienne et puis surtout la région où je me trouve actuellement en France, le sud-est du pays, la région de Nice, la région de Marseille. Marseille est la principale ville italienne d'Europe, hein, hors d'Italie à ce moment-là. Et ces Italiens, en fait, non seulement ils se rassemblent, ensuite ils se répandent, hein, vous alliez recevoir Baru prochainement, hein, et Baru évoque notamment l'histoire de sa famille ici, dans cette région, dans l'est de la France, la Lorraine, qui accueille un grand nombre d'Italiens, comme le nord de la France, la région Rhône-Alpes, ou encore le sud-ouest de la France, où très nombreux sont les Italiens qui vont œuvrer dans l'agriculture. Ces Italiens, ils se rassemblent. Ils se rassemblent d'un point de vue géographique, hein, y compris par quartier, mais cela a été dit fort justement par Monsieur le proviseur tout à l'heure, ces modalités de rassemblement se font surtout en fonction de l'origine régionale, voire même local, hein, c'est ce que l'on appelle des filières migratoires, hein, c'est-à-dire que, en fait, le choix de la destination se fait non seulement en fonction de l'offre du travail, mais aussi parce que on connaît un membre de la famille, un membre de la société villageoise, hein, un ami, un membre de la parenté, hein, qui est dans cette ville, qui est dans un quartier de Marseille, un quartier de la région parisienne, et qui va nous accueillir. Et qui va accueillir la personne et qui va lui permettre souvent de trouver un emploi. Et ces sociabilités, eh bien, elles se poursuivent de manière informelle, au café, bien évidemment, hein, où on va jouer aux cartes, par exemple, à la Scopa, hein, pour ne donner qu'un exemple. On voit ici hein, le jeu de cartes, dans des associations musicales, dans des pratiques sportives, et bien évidemment, l'Église, et en particulier les missionnaires de l'Opéra Bonomelli, hein, qui s'occupe des Italiens en Europe, tandis que les missionnaires Monseigneur Scalabrini, hein, eux, s'occupent plutôt des Italo-américains, donc participent hein, de ce maintien de lien entre les migrants et leur pays d'origine, leur région d'origine, donc des liens que l'on peut qualifier de transnationaux. Stéphane parlait de circulation. Alors, effectivement, en parallèle de ces trois parties, nous avons voulu aussi créer un autre parcours qui est un parcours plus artistique dédié à la circulation, justement, des artistes transalpins venus en France. Et effectivement, l'ensemble du parcours, l'ensemble des trois parties était constellé par des œuvres majeures d'artistes italiens venus à différentes périodes, attirés par cette ville lumière et par les différentes révolutions esthétiques qui se sont succédées en France du milieu du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Alors, ces créateurs italiens s'installent
temporairement pour certains, durablement pour d'autres. En tous les cas, ils s'installent dans le centre d'irradiation des avant-gardes. Ils sont effectivement fascinés par le foisonnement culturel de la ville, mais aussi par le pays des libertés. Et on va voir comment, à leur tour, par leurs apports, par leurs regards, par leur coloration et leur souffle nouveau, ils contribuent à faire de Paris la capitale internationale des arts. Alors, vous avez ici sur le panneau de gauche et de droite aussi ce qu'on avait appelé les précurseurs. Donc, on commençait notre parcours artistique avec ces artistes, donc des précurseurs à l'instar de Giovanni Boldini ou de Giuseppe De Nittis, mais aussi de Zandomenici, Mancini, contemporains des Macaioli, ce mouvement florentin anti-académique, qui sont proches des impressionnistes. D'ailleurs, certains, comme De Nittis, participeront aux expositions et notamment à la première exposition des impressionnistes. Donc, ils se familiarisent avec leur peinture, ils saisissent les principes de leur recherche, participent à certaines de leurs expositions. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'ils se font les témoins… Ah, il y a un petit… Je ne sais pas si… Voilà. Ils se font les témoins et les interprètes de cette société française de la fin du Second Empire jusqu'au début de la Troisième République, avec des œuvres qui sont vraiment évocatrices et qui vont dire quelque chose non seulement de cette vie parisienne, de leur vie parisienne, mais aussi de cette atmosphère auquel ils aspirent. Alors, au tournant du siècle, et c'est la slide suivante, alors je précise que c'est toutes des œuvres extrêmement importantes que nous avons eues aussi à la fois des prêts de musées français comme le musée d'Orsay, mais aussi des prêts importants de la gamme di Torino, d'importantes institutions italiennes. Donc, au tournant du siècle, Paris devient non seulement un passage obligé, une étape obligée, mais aussi il centro del mondo, ou encore comme l'a décrite Giovanni Papini, l'Alexandrie de la culture moderne. Vraiment, cet centre du monde où convergent intellectuels et créateurs de toute l'Europe, évidemment Picasso, Soutine, Fujita, Modigliani, Brancusi, Van Dongen, Gris, De Chirico, Carrà et d'autres, tous ces artistes qui vont finalement former cette première école de Paris et qui vont côtoyer Braque, Apollinaire, Paul Fort. Alors, nous avons eu la chance aussi d'avoir des prêts assez extraordinaires, donc à la fois des œuvres d'Amedeo Modigliani, de Renato Paresce, d'Alberto Martini, qui était proche du surréalisme, mais aussi, comme vous pouvez voir ici, deux œuvres de Gino Severini qui arrivent à Paris en 1906, qui se rallient au futurisme à Paris en 1910 et qui va développer véritablement une œuvre polyphonique qui va être faite effectivement des diverses influences à la fois italiennes et françaises. Alors, je voudrais juste m'arrêter, on la voit pas très bien, mais sur cette petite œuvre qui s'appelle Nord-Sud, qui est voilà tout en haut, voilà ici, Nord-Sud, qui a été faite en 1913 et qui a été faite alors qu'il était à Paris, qui est directement inspirée du nom de la compagnie de chemin de fer électrique Souterrain, qui avait inauguré à Paris quelques années plus tôt sa première ligne de métro, et première ligne de métro qui va traverser d'ailleurs Paris du nord au sud et qui va relier finalement les deux grands foyers artistiques de Montmartre et de Montparnasse. Et Severini va finalement véritablement livrer ici sa vision de Paris, de cette ville lumière, d'une ville à la pointe du progrès, comme il l'a décrit. Et il crée une image complètement dynamique. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais qui est animée à la fois par le mouvement du métro, et il va le saisir de façon simultanée, à la fois et dans un vertige de vitesse et de lumière, typiquement futuriste, hein, aussi bien les voyageurs qui sont dans leur rame et que les stations traversées. Donc c'est vraiment une témoignage extrêmement intéressant de sa vision du monde et de sa vision de Paris de l'époque. Et puis, si nous allons dans la slide suivante, je laisserai Stéphane la présenter, mais celle d'après, voilà, donc que font-ils? Vous allez voir aussi, vous voyez effectivement à droite une œuvre d'une jeune artiste italienne, parce que nous avons décidé non seulement d'emprunter des œuvres d'artistes dans les musées italiens et français, mais aussi de passer commande. Et ici, nous avons passé commande à une jeune artiste vénitienne qui s'appelle Giulia Andreani, qui est née en 1985 et qui s'est installée à Paris, attirée elle aussi par le magnétisme intellectuel de la ville et qui a été pensionnaire d'ailleurs à la Villa Médicis en 2000.
2016. Cette artiste fait un travail extrêmement intéressant parce qu'elle exhume de manière générale des images d'archives, de presse. Elle va convoquer l'histoire et la mémoire pour les inclure dans une œuvre plastique, poétique, monochrome, comme vous voyez ici. Et pour l'exposition Ciao Italia, nous lui avons vraiment passé commande. Elle nous a fait une quinzaine d'aquarelles sur papier qui s'est inspirée d'ailleurs parfois de documents d'archives ou de photographies documentaires que nous avions nous-mêmes, que nous présentons nous-mêmes dans l'exposition, des photographies de famille aussi. Et ici, par exemple, vous voyez, elle s'inspire des petits métiers, des ambulanti. Elle crée des aquarelles qui étaient présentées comme ça de façon perpendiculaire, de façon avec des textes des fois derrière, de façon à un peu perturber le visiteur à l'interroger. Et donc ces aquarelles qui ont ponctué aussi tout le parcours, on la retrouvera à la fin du parcours et nous verrons d'ailleurs qu'elle a créé, elle a aussi fait des portraits en acrylique sur toile d'antifascistes italiens, nous les examinerons dans la dernière partie. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que véritablement par le filtre du gris de peine, alors là, si on peut pas zoomer sur l'image, mais le gris de peine, c'est un gris foncé qui va vers le bleu, qui est très utilisé en aquarelle, elle interroge, l'artiste interroge et elle relie finalement cette histoire d'émigration italienne en propose sa lecture, une lecture contemporaine. Elle va pointer les tensions, elle va restituer aussi la dimension humaine de cette épopée épique et parfois souvent tragique. Et entre apparition et effacement, elle va révéler aussi certains visages anonymes. Stéphane, je te laisse présenter la deuxième partie. Vous l'avez compris, nous sommes ici à l'entrée de la deuxième partie, hein, effectivement, de l'exposition, qui finalement, et cette image est très significative hein, de ce que nous avons cherché à mettre en œuvre au cours de cette exposition, c'est-à-dire une rencontre entre l'histoire, hein, et c'était j'avais la charge effectivement de cette dimension historique, une rencontre entre l'histoire et l'art et la culture au sens le plus large. Et d'un point de vue historique, je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle ici, ce qui détermine la migration, c'est le travail. Et on posait d'emblée ici, nous nous situons en 1926, quels avaient été les principaux secteurs d'activité de ces Italiens qui, pour reprendre la formule qui a accompagné l'exposition, de ces Italiens qui ont fait la France. Et on va voir que leur contribution a été loin d'être négligeable dans différents secteurs. Alors, effectivement, la figure du migrant italien est avant tout masculine, hein, nous l'avons vu, mais les femmes sont présentes, elles sont présentes dans l'industrie textile, elles sont présentes dans la parfumerie, elles sont plumassières, elles sont domestiques, elles sont nourrices, mais elles sont aussi modèles. Effectivement, certaines femmes, et notamment des femmes qui venaient de la Ciociaria, correspondaient au canon de beauté de l'époque, et de nombreuses Italiennes exilées en France vont exercer ce métier de modèle pour des peintres et sculpteurs de renommée. Elles sont souvent recrutées dans les marchés aux modèles qui sont proches des ateliers, soit de Montparnasse et de Pigalle, et jusque dans les années 1890, elles viennent pour la plupart effectivement de la Ciociaria. Alors, parmi celles-ci, nous avons eu le bonheur de présenter ces deux sculptures, c'est un plâtre et ce bronze qui nous provenaient, qui nous ont été prêtés par le musée Rodin, de deux sœurs, Anna et Adele Abruzzesi, qui vont particulièrement inspirer Rodin. Anna, que vous voyez, pose effectivement pour le modèle de droite, tandis qu'Adèle, dont la sensualité du corps nous est magnifiquement montrée dans ce plâtre, va insuffler de nombreuses figures féminines et va servir pour le torse d'Adèle, que vous voyez ici, torse d'Adèle, qui sera effectivement, qui inspirera beaucoup d'artistes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on avait aussi montré la correspondance, non seulement ces deux œuvres de Rodin, mais aussi la correspondance que nous avons retrouvée entre Rodin et les deux sœurs, et on voyait que cette correspondance nous montrait que les relations dépassaient le simple lien de modèle et d'artiste, mais se mettaient en avant et mettaient toujours aussi une amitié entre les deux sœurs et Rodin, qui les a aussi aidées dans leur parcours. Alors, les femmes, nous avons voulu montrer ces femmes au travail, mais aussi dans le domaine de l'art, les circassiens. Et nous avons fait toute une partie sur trois frères d'origine d'Italie, originaires d'Italie, les frères Fratellini, qui vont marquer véritablement de leur empreinte le monde du cirque. Paul,
François, Albert, Fratellini vont former très tôt un trio vraiment équilibré et harmonieux pendant toute la moitié du XXe siècle. Alors, ils vont se rendre vraiment très célèbres. Là, on avait un film qu'on ne voit pas, mais qu'on on montrait par leurs entrées comiques qui empruntent leur vitalité véritablement à la Commedia dell'arte, mais aussi par leur empathie avec le public. Alors, c'est un trio qui va entrer dans la légende puisqu'il sera célébré par le plus grand artiste du moment, Picasso, évidemment, les célèbres, mais aussi Cocteau, Colette, Darius Milhaud, Fernand Léger, pour ne citer qu'eux. Et d'ailleurs, c'est une famille qui va non seulement qui va continuer, parce qu'elle va donner aussi plusieurs générations d'artistes tout au long du XXe siècle d'ailleurs, parmi lesquels Annie Fratellini, qui nous avait prêté d'ailleurs tous ces éléments, et qui formera avec Pierre et Tex un duo véritablement de légende là aussi. Alors, on peut dire d'ailleurs, Isabelle, que c'était une manière aussi de rendre hommage à des petites gens, hein, à des artistes moins connus, qui sont effectivement venus en France, hein, ceux que l'on appelle les ambulants, les artistes ambulants, dans les grandes villes françaises, étaient majoritairement des Italiens, le montreur d'ours, hein, bien évidemment, hein, le joueur d'orgue de Barbarie, hein, ou encore saltimbanques, pardon, je cherchais le terme, où les musiciens dans les rues étaient italiens. Alors ces Italiens, on ne les trouvait pas seulement en ville, on les trouvait, je le disais tout à l'heure, dans les campagnes, hein, et puisqu'ils ont fait la France, eh bien, ils ont aussi sauvé les campagnes françaises à un moment où elles se vidaient en raison de l'exode rural, c'est-à-dire que les paysans français allaient travailler dans les usines, dans les villes, hein, et dans bien des régions, eh bien, ce sont les Italiens qui d'ailleurs avaient cette habitude également, hein, de venir travailler pour les saisons, hein, en particulier dans le sud de la France, eh bien, un certain nombre d'entre eux vont s'installer dans le sud-est, dans le sud-ouest, hein, et non seulement ils vont sauver un certain nombre de cultures, mais ils vont contribuer aussi, hein, à l'amélioration et un certain nombre d'innovations techniques dans l'agriculture française. Ces Italiens, on les retrouve dans un autre secteur, qui est devenu d'ailleurs quasiment archétypal, hein, au point même d'être un peu péjoratif, hein, c'est le bâtiment et les travaux publics, hein, ces Italiens qui ont fait la France, eh bien, ils ont construit nos routes, ils ont construit nos ponts, ils ont construit nos villes, nos voies de chemin de fer, nos barrages. On les retrouve dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité du bâtiment et des travaux publics. Et nous avions montré ici un objet qui est d'ailleurs dans les collections du Musée national de l'histoire de l'immigration, qui est le premier don, effectivement, qui est la truelle, eh bien, du père de Cavanna, François Cavanna, hein, le fameux auteur des Ritales, hein, qui va d'ailleurs quelque part redonner aux Italiens et aux descendants de cette immigration italienne leur lettre de noblesse. Mais bien évidemment, le principal secteur d'emploi, hein, des Italiens, c'est l'industrie. Hein, c'est l'industrie. La France, et on l'oublie parfois, et Ciao Italia a été là pour le rappeler, eh bien, a fait appel à cette main-d'œuvre. Hein, la France avait besoin de cette main-d'œuvre parce que les Français et les Françaises ne faisaient plus suffisamment d'enfants pour pouvoir justement alimenter la croissance économique. Alors, nous avons ici quelques documents qui font référence à un de ces Italiens qui a particulièrement bien réussi, hein, une sorte de modèle d'ascension sociale, de success story, diraient les anglo-saxons. Il s'agit de Ponticelli, Lazare Ponticelli, qui est d'ailleurs resté ancré dans les mémoires en France, puisque Lazare Ponticelli, non seulement était un travailleur, hein, mais il s'est aussi engagé aux côtés de la France lors de la Première Guerre mondiale, au sein des fameuses légions garibaldiennes, hein, ce qui l'a conduit au soir de sa vie, eh bien, à être le plus vieux, hein, le doyen des poilus, hein, c'est-à-dire des soldats français ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale, et vous le voyez ici sous l'uniforme. Il faut savoir que ces Italiens dans l'industrie ou dans les mines, hein, dans certaines régions, représentent jusqu'à parfois 80% de la main-d'œuvre, hein, employée par ces industries. Ils acceptent évidemment les emplois les plus pénibles, les moins bien rémunérés,
Hein, il y a un texte, un très beau texte d'un économiste marseillais qui date de la fin du 19e, qui parle à propos de ces Italiens de paria, les parias de la classe ouvrière, hein, pour évoquer leur situation. Et vous comprenez mieux d'ailleurs pourquoi il y a eu aussi une xénophobie ouvrière que l'on évoquait tout à l'heure à propos d'Aigues-Mortes. Eh bien, c'est et cette concurrence déloyale, hein, parce que effectivement, les Italiens, comme par la suite d'autres immigrés, eh bien, occupaient ces emplois les plus pénibles et les moins bien rémunérés, ce qui me permet de dire au passage qu'il y a une catégorie sociale qui n'a jamais été xénophobe, ce sont bien évidemment les patrons, hein, qui trouvent auprès de ces étrangers une main-d'œuvre tout à fait intéressante. Il est important de dire aussi, puisque nous avons évoqué tout à l'heure la xénophobie ouvrière, qu'il y a eu des formes importantes de solidarité ouvrière, hein, au nom justement de l'internationalisme ouvrier. Hein, je lève le poing, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Hein, et il s'agissait de combattre justement pour favoriser le traitement équitable, égalitaire du point de vue salarial. Isabelle, que nous ont-ils laissé au-delà effectivement de cet apport indispensable à l'économie française? Voilà, nous rentrons ici dans la troisième partie qui était consacrée aux empreintes, quels sont les objets, les éléments que ces Italiens nous ont laissés, les rituels, quelles sont ces transmissions. Mais avant ça, je voudrais m'arrêter sur cette slide parce que dans la continuité de notre parcours parallèle, de notre parcours artistique, nous avons voulu aussi réserver une place particulière à un moment donné de cette circulation artistique où lorsque l'Italie des années 20-30 est marquée par un retour au classicisme, au primitivisme de Giotto, à la rigueur plastique de la Renaissance, dans évidemment la mouvance du groupe Novecento. Et à ce moment-là, en France, certains artistes de la péninsule, à l'instar de Gino Severini, vont préfigurer cette tendance et ils vont effectivement s'exposer désormais tous ensemble. De 1928 à 1933, ils s'exposeront ensemble sous l'appellation d'Italiens de Paris ou encore de Groupe des Sept. Alors ici, nous avons réuni quelques œuvres. Il y avait évidemment Massimo Campilli, Giorgio De Chirico, Renato Paresce, Filippo De Pisis, certaines personnes qui étaient déjà venues au tournant du siècle, Alberto Savigno, Gino Severini, Mario Tozzi, et tous vont désormais placer leur combat artistique sous le signe de l'italianité. Ils vont se faire les défenseurs ardents d'une peinture transalpine contemporaine qui porte les traces du passé et, comme je disais, vont vraiment maintenant se présenter toujours en groupe de 1928 à 1923. Alors, peut-être que avant de passer… Voilà, super Stéphane, nous allons revenir un peu plus longuement sur ces empreintes, mais pour finir ce parcours artistique, nous avons terminé, en quelque sorte, il y aura encore une dernière œuvre que nous verrons, mais nous avons terminé le parcours avec cette très belle œuvre de Magnelli qui nous était prêtée par le Musée d'art moderne de la ville de Paris. Magnelli, qui est un peintre autodidacte, qui est venu déjà dans les années 15-16 à Paris, mais qui va très vite rompre avec l'esprit cubo-futuriste qu'il avait approché lors de son premier séjour, qui était plus expressément en 1914, et il va très vite emprunter les voies de l'abstraction. En 1932, il va d'ailleurs marquer son opposition au régime fasciste, et il va décider de s'installer définitivement en France, où il deviendra d'ailleurs l'un des représentants majeurs de la peinture non figurative de cette seconde école de Paris. Donc voilà, nous voulions quand même montrer aussi cette œuvre de Magnelli avant de faire un focus particulier sur Leonetto Capiello, donc qui est encore un artiste italien qui est venu bien avant, mais que nous avons effectivement expressément mis dans cette partie des empreintes, puisque c'est un affichiste bien connu qui a laissé beaucoup d'empreintes. Alors, Leonetto Capiello né à Livourne en 1898 et il vient en 1875, je me suis trompée, et en 98, il vient à Paris pour rencontrer son frère
qui travaille à la bourse. Il devait rester un mois pour le voir. Et en fait, il est tellement fasciné par la ville parisienne qu'il décide de rester définitivement, de s'installer à Paris. Et d'ailleurs, il sera naturalisé français en 1930. C'est dire l'emprise que le Paris a eue sur lui. D'ailleurs, il écrit « J'aime la France quand un amoureux aime sa bien-aimée. Je l'aime pour sa beauté, pour son esprit, pour son harmonie et sa générosité. Je l'aime pour son grand amour de l'art. » Donc, à ses débuts, Capiel, et on le voit un peu ici, il va enrichir de ses dessins les pages de la presse satirique française, Le Rire, Le Cri de Paris, Le Figaro, L'Assiette au beurre. On voit ici un autoportrait de lui-même, un peu sous forme de caricature. Mais c'est véritablement par l'art de l'affiche qu'il va atteindre sa popularité. Et toute sa vie, il ne va cesser de mettre en valeur à la fois des produits français. Nous connaissons tous la fameuse affiche thermogène, hein, avec, voilà, avec le personnage comme ça qui se détache sur un fond noir, mais aussi des produits italiens. Nous avions mis ici l'affiche de Campari, mais aussi une maquette, tous les dessins préparatoires et la maquette finale de Cinzano. Alors, pour lui, l'affiche doit être entièrement conçue vers des fins publicitaires et donc elle doit capter le regard, intercepter le passant. C'est pour cela qu'il va utiliser à la fois l'ellipse dans son travail, mais aussi l'utilisation de fonds d'aplats, de couleurs toujours presque pures et presque toujours monochromes, comme vous voyez. Et enfin, il va ériger une règle, la règle absolue de la tache sombre sur un fond clair ou de son contraire. Et ceci constituera les principes fondateurs de son œuvre. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il vient à Paris, il est fasciné par la ville, il va véritablement suivre les leçons de Chéret, mais il va, grâce à son originalité, à sa couleur, à sa palette, à son invention, il va, à la suite de Chéret, entièrement renouveler et moderniser le domaine de l'affiche. Et effectivement, il participe hein, de ce que l'on peut qualifier de transfert culturel. Il est un médiateur culturel, puisque Isabelle l'a dit, ce n'est pas son activité unique, hein, mais il participe à la promotion d'un certain nombre de produits italiens, parce qu'en fait, ces émigrants, eh bien, ils sont venus avec leur culture dans leur bagage, hein, au sens propre, hein, dans la matérialité du bagage, hein, mais aussi dans une dimension plus immatérielle, en apportant un certain nombre de pratiques, de systèmes de représentation. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous avions fait ce choix, qui a pu peut-être paraître un peu audacieux, eh bien, d'évoquer les antifascistes dans ses apports culturels. Il s'agissait ici de mettre l'accent sur leurs apports en matière de culture politique. Et ces antifascistes italiens, vous qui ont été, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle, leurs portraits, pardon, ont été reproduits par une artiste contemporaine. Et nous avions mis parmi les plus célèbres, dont certains, vous le savez, seront appelés ensuite à de belles carrières en Italie, hein, on pense évidemment au président Pertini, au président Saragat, hein, ou encore à Pietro Nenni, qui a été président du Conseil, hein, Carlo Rosselli, hein, qui a connu une fin tragique, assassiné par la Cagoule, un groupuscule d'extrême droite français soutenu par le régime mussolinien. Or, ces antifascistes, eh bien, ils ont nourri la culture politique de gauche, notamment au moment où se forme en France le Front populaire. Et je rappelle ici que le Front populaire, en 1936, qui est porté au pouvoir, eh bien, c'est aussi, et peut-être même d'abord, en un sens, eh bien, une coalition antifasciste, face à la crainte du fascisme, nourrie notamment de l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne, qui, à ce moment-là, inquiète bien plus les Français que la présence de Mussolini au pouvoir en Italie. Alors, ces apports culturels, on les retrouve dans bien d'autres domaines, sans parfois, Isabelle va en parler immédiatement, que les Français aient identifié l'origine italienne de ces apports. Alors, effectivement, autre passeur qui viendra en France avec tout son savoir-faire, une figure peut-être un peu injustement oubliée, celle de Cino Del Duca, qui est un éditeur de presse, producteur de cinéma,
Cino del Duca naît dans un village du centre de l'Italie au sein d'une famille assez pauvre. C'est un activiste communiste hein, dans les années d'après-guerre qu'il sera renvoyé de la société de chemin de fer dans laquelle il travaille pour militantisme. Et d'ailleurs, il fera l'objet d'une surveillance de la police fasciste. Il devient alors, toujours en Italie, vendeur de romans populaires et il fonde déjà sa première maison d'édition en 1928. Puis, en 1932, il va émigrer en France, alors tant pour élargir effectivement ses activités que pour fuir, échapper à la police fasciste. En 1935, il lance son premier magazine pour enfants, Oura, que vous voyez représenté ici. Et en 1947, il va véritablement inventer la presse du cœur, il fotoromanzo en fait, et il crée 14 magazines féminins tels que Nous Deux, Intimité, Festival. Et puis, il va étendre aussi son activité à l'ensemble de la presse quotidienne en créant Paris Journal, au mécénat et aussi au cinéma, en devenant un important producteur de cinéma, puisque c'est lui qui produira Touchez pas au Grisby et surtout L'Aventura d'Antonioni. En 57, il est naturalisé français et il s'éteint toujours à Paris, où il y a une fondation maintenant de son nom, en 67, alors qu'il dirige le 4e groupe de presse française. Alors, parmi tous les éléments que nous avions cette lettre que vous voyez un tout petit peu ici, qui lui avait été écrite par son père, justement, en 1932, quand il est parti. Et son père lui avait offert un stylo où il avait écrit, en substance, je ne me souviens plus très bien, « Eccoti questa penna con la quale ti scriverai tutte le grandi cose che farai ». Donc voilà, déjà ce père qui accompagnait son fils. Et d'ailleurs, la fondation Simone et Cino del Duca nous ont fait don de cette lettre que nous allons prochainement, j'espère, mettre dans le parcours permanent. On peut dire, Isabelle, que d'un point de vue cinématographique, c'est aussi la grande époque des coproductions franco-italiennes ou italo-française, hein, qui participe effectivement aussi de ces circulations culturelles et artistiques entre nos deux pays. Autre grand créateur, styliste, je dirais, à sa façon, Bugatti. Bugatti auquel on avait aussi réservé ici un focus. Alors, Bugatti est d'abord un nom qui est lié à l'art, hein, mais il va faire référence très vite au fleuron de l'automobile française. En 1904, Carlo Bugatti, célèbre pour ses créations de mobilier et qui sont proches de l'art nouveau, vient s'installer à Paris, attiré lui aussi par le rayonnement culturel de la ville. Son second fils, Rembrandt, qui sera d'ailleurs un élève de Rodin, va lui se distinguer très vite par son, comme en tant que sculpteur animalier, mais surtout Ettore, le premier fils, Ettore Bugatti, qui va créer la légende. En 1909, Ettore Bugatti crée son entreprise et sa propre marque à Molsheim, en Alsace, et il va diversifier son activité selon trois branches qui sont l'aviation, le train et l'automobile. Et jusqu'en 1939, Ettore Bugatti, comme vous le savez, va produire vraiment des voitures de sport et de luxe, de renommée mondiale. Et effectivement, la beauté de l'harmonie hein, des lignes de la Bugatti Royale avec son moteur de 12 643 cm3. Alors moi, j'ai appris aussi des choses. Et puis surtout, le bouchon que vous voyez ici, le bouchon de radiateur qui avait été dessiné finalement par Rembrandt en forme d'éléphant dressé, en fond, tout de l'emblème de l'élégance. Alors ici, nous avions en prêt tout un ensemble d'éléments, non seulement de Ettore Bugatti, de son entreprise et de la famille, et puis nous avions aussi mis, et ça c'est une volonté de notre commissaire général Dominique Paini, de suspendre la petite voiture Bugatti que Ettore avait construite, avait réalisée pour son fils et que nous avions suspendue ici, qui rendait hommage aussi tout à l'élégance et au savoir-faire venu d'Italie. Ce qui est intéressant dans cette dernière partie, on a voulu jouer sur des formes de tension, c'est-à-dire qu'il s'agit là, vous l'avez bien compris, d'empreinte, comme l'a dit Isabelle, c'est-à-dire d'apport hein, de ces Italiens à la culture française. Ce sont aussi des témoignages de leur intégration, mais en même temps, ces éléments viennent renforcer un certain nombre de stéréotypes hein, qui ont été nourris à l'égard de ces Italiens, hein, ces Italiens qui aiment les voitures, ces Italiens qui sont des artistes. Vous savez que l'une des représentations les plus répandues de l'Italie et des Italiens en France, j'en suis désolé pour tous ceux qui sont originaires et qui nous suivent du nord de la péninsule, c'est le joueur de mandoline. En France, il y a toujours, derrière un Italien, il y a toujours un artiste. Je suis bien évidemment ici dans le registre des stéréotypes. Donc, vous voyez, on est sur de multiples
facettes. Hein, d'ailleurs, ça a été un pari pour nous parce qu'il était important pour nous que le public de l'exposition comprenne cela et que nous ne reprenions pas au premier degré ces représentations. Il en va de même, puisque ces Italiens sont des artistes, nous avons joué sur ce point, mettant en avant des figures, des monstres sacrés, si l'on peut dire, de la scène française. C'est la chanteuse Rina Ketty qui a été peut-être un peu oubliée, mais en revanche, en France, personne n'a oublié Lino Ventura, le comédien, qui est d'ailleurs resté italien toute sa vie, qui a toujours refusé la naturalisation. Yves Montand, Ivo Livi, de son véritable nom, né en Toscane, à Montsumo Terme, qui est devenu français à la fin des années 20. Et puis Licia, votre homonyme, Serge Reggiani, qui est une grande figure qui a notamment marqué de diverses manières, mais il y a une chanson emblématique, c'est moi, c'est l'Italien. Alors je vous rassure, je ne vais pas la chanter, mais cette chanson qui est publiée au début des années 1970, elle est tout à fait significative. Pourquoi ? Parce que au moment où les Italiens justement sont considérés comme intégrés, on peut même aller jusqu'à dire qu'ils sont considérés comme ayant été de bons immigrés. Vous comprenez bien pourquoi ? Parce que depuis les années 1960, ces Italiens ne viennent plus en France. Et ils ont été remplacés par des étrangers que l'on considère plus étrangers qu'eux. Ceux que l'on appelle à l'époque des Nord-Africains, que l'on va appeler ensuite des Arabes, et que l'on appellera ensuite des Maghrébins. Or, au début des années 1970, Reggiani, comme un cri finalement, c'est moi, c'est l'Italien, c'est nous les Italiens, ne nous oubliez pas. N'oubliez pas notre histoire, n'oublions pas ce que nous avons vécu et n'oubliez pas ce que nous avons apporté. Et alors, la fin de l'exposition se terminait justement dans une forme un peu d'ambiguïté. Isabelle se rappelle sans doute de la soirée de vernissage où monsieur l'ambassadeur d'Italie en France est resté quelque peu médusé devant ce panneau, ne sachant pas peut-être véritablement, mais nous étions très heureux parce que nous avions réussi notre pari, comment il fallait l'interpréter. Alors, comment il faut interpréter ce panneau où vous trouvez tout d'abord les apports linguistiques de la langue italienne à la langue française, où l'on trouve aussi ce que certains de mes collègues sociologues appellent le retournement de stigmates, c'est-à-dire que ces Italiens que l'on a repoussés, cette Italie que l'on considère en France comme notre sœur latine, mais vous savez qu'en France, on ajoute toujours un adjectif. Vous êtes notre petite sœur latine, vous êtes nos petits cousins latins, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, vous n'êtes pas tout à fait comme nous, je suis bien évidemment dans le registre des stéréotypes et des imaginaires. Il y a eu un retournement, et vous savez aujourd'hui, malheureusement pas en ce moment, on le regrette évidemment, mais d'une certaine manière, le flux migratoire s'est inversé. Et ce sont les Français, les touristes français, une autre forme de migration, ce sont les touristes français qui déferlent sur la péninsule. Et ce film d'Aldo Maccione, qui est une caricature, bien évidemment, et nous avions joué de cette provocation, justement, de ces Italiens, finalement, sur lesquels, malgré tout, en France, nous portons toujours un regard condescendant. Ils ne sont pas très sérieux. D'ailleurs, le général de Gaulle lui-même le disait, si je peux prendre une minute pour vous raconter cette anecdote significative. En 1963, la France signe un traité avec l'Allemagne, le traité de l'Élysée, et le général de Gaulle, qui reçoit tous les soirs son ministre de l'Information, est interrogé par ce même ministre et qui lui demande en substance, « Mon général, pourquoi ne faisons-nous pas la même chose avec l'Italie que ce que nous avons fait avec l'Allemagne ?» Et le général de Gaulle lui répond, « Mais, monsieur le ministre, vous n'y songez pas, ces gens-là ne sont pas sérieux. » En parlant des Italiens. Alors, c'est une anecdote, évidemment, et qui ne doit pas ramener à l'ensemble de la politique menée par la France à l'égard de l'Italie, mais cette anecdote, elle est tout à fait révélatrice d'un état d'esprit en France à l'égard de l'Italie et des Italiens, finalement, entre
fascination, répulsion hein, et à vous désormais de ce pays. Alors avec Isabelle, nous avons fait le choix de vous proposer, parce que la majeure partie d'entre vous, malheureusement, n'ont pas pu se rendre à Paris en 2017. Certains d'entre vous ont eu cette chance, et vous faites partie d'ailleurs des très nombreux visiteurs qui sont venus voir Ciao Italia. Je vous dis ça non pas pour se livrer à un moment d'auto-célébration, c'est l'historien qui vous parle. Évidemment, en tant que commissaire, nous avons été très heureux de ce succès de l'exposition Ciao Italia. Mais l'historien, lui, a été très intéressé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette exposition, le succès de cette exposition, traduit, avec d'autres indices, un retour de cette mémoire. Hein, cette mémoire de l'immigration italienne qui a longtemps été oubliée, ou quand elle n'était pas oubliée, je le disais tout à l'heure, elle était un peu idéalisée, hein, sur le mode les bons immigrés. Hein, vous voyez avec mes mains, hein, puisque moi aussi, je suis d'origine italienne et je parle avec les mains, hein, pour reprendre un autre stéréotype, eh bien, je fais des guillemets sur ces bons immigrés. Eh bien, on s'est rendu compte, hein, et notamment l'enquête qui a été menée par les services du Musée national de l'histoire de l'immigration, eh bien, qu'il y avait une véritable demande, hein, de la part, eh bien, de descendants de cette migration qui connaissent parfois l'histoire de leur famille, mais qui sont en attente finalement d'insérer cette histoire familiale dans une histoire plus collective, hein, que nous avons essayé de retracer, et vous l'avez remarqué, sur un mode original, et je tiens à le souligner une fois encore, cette exposition, elle est le résultat d'une rencontre, hein, et de la rencontre de trois commissaires, hein, Dominique Paigny, qui a été présenté tout à l'heure, Isabelle et moi-même, c'est-à-dire trois regards, hein, trois regards différents, mais convergents, pour finalement exprimer ce qu'ont été les apports de l'immigration italienne. Alors, l'exposition que vous allez découvrir, ou que certains ont déjà découvert à Bologne, hein, et qui circule en France, grâce au travail des équipes d'Agnès Arques-Roth, dans une version française, et qui circule en Italie, donc dans sa version italienne, vous avez ici à l'image la version française, elle est évidemment dans le même esprit, elle est porteuse, hein, d'un même discours, mais un petit peu différemment. Hein, un petit peu différemment, en ce sens que vous l'aurez remarqué, et c'est ce qui justifie notre intervention ce soir, que cette exposition, elle est peut-être plus historique et un peu moins artistique que ne l'a été celle de Paris. Il nous est apparu, avec Isabelle, Agnès et toutes les équipes du musée, que finalement, cette présence artistique, hein, n'avait de sens que si les œuvres étaient en dialogue directement avec l'histoire, alors que si on les plaquait, hein, sur un panneau, eh bien, elles perdraient sans doute de leur signification. Cela étant dit, hein, vous pourrez constater, non seulement ici très rapidement au travers de ces diapositives, mais aussi en vous rendant, et on l'espère, très nombreux à l'Alliance française pour voir l'exposition, eh bien que la plupart des points que nous avons évoqués ce soir avec Isabelle, très rapidement, évidemment, eh bien, trouvent moyen, matière à s'approfondir. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin dans l'approfondissement, il a été fait référence tout à l'heure, effectivement, au livre qui a accompagné l'exposition, hein, Ciao Italia, hein, qui est plus encore, merci Isabelle, comme ça on assure pleinement la promotion de l'ouvrage, qui est d'ailleurs un ouvrage aussi, hein, qui a connu un grand succès, qui est un véritable livre d'histoire, hein, permettant encore une fois d'aller plus loin dans ce passé, dans cet aspect en tout cas de l'histoire de France, qui unit très étroitement, très intimement nos deux pays, et nous vous remercions vivement pour votre attention. Merci à vous Stéphane, et merci aussi pour ce passage vers l'expo de Bologne, qui évidemment ne pouvait pas accueillir tout ce qui était au musée de l'immigration, et un des panneaux parle du sport.
Donc, de la présence des Italiens dans l'univers du sport. Et c'est, je pense, à partir de cela que va intervenir. Ah, on a tout fait. Voilà, non, là ça va. Riccardo Brizzi, et je lui donne la parole et je le remercie encore. Voilà, je pense qu'après, s'il y aura des questions, etc., pour tous les intervenants, d'accord? Merci. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci à la Fédération des Alliances Françaises et à Licia Reggiani. Un grand merci pour cette invitation. Et laissez-moi, en tant qu'ancien élève du lycée Galvani et de la section ESABAC qui venait de voir le jour, d'exprimer les plaisirs de la présence du professeur Alaïmon ce soir. Et je suis ravi de pouvoir parler d'une expo, d'une remarquable exposition qui a déjà reçu des prix importants. Je cite seulement le prix italique qui, en 2017, a été attribué à Stéphane Mourlan, à Dominique Paigny et à Isabelle Renner, soit pour l'exposition qui s'est tenue à Paris, soit pour les catalogues qui étaient publiés au même temps. Et comme l'a dit Licia Reggiani, je voulais juste dire quelques mots sur un aspect qui est traité à l'intérieur de l'exposition et qui concerne les sports. Les sports, bien évidemment, n'est pas seulement une passion, mais en relation à l'immigration, il peut représenter un important moyen d'intégration. Et les études de Pierre Milza, de Daniele Marchesini, de Stéphane Mourlan ont bien souligné de ce point de vue que le sport a constitué pour la masse des migrants, et des migrants italiens, un formidable facteur d'insertion à la société d'accueil. Un étranger peut avoir la possibilité de socialiser grâce à ses victoires, grâce à ses efforts ou grâce simplement au fait de faire la même activité avec les personnes autochtones. Et à cet aspect, il faut ajouter le fait que les institutions, donc les partis, l'Église, les entrepreneurs, l'État, considèrent souvent le sport comme un instrument de cohésion sociale et de maintien de l'ordre existant. Donc, faire jouer dans la même équipe les Italiens et les Français pouvait devenir une bonne manière pour les faire entrer en relation, les faire connaître et diminuer, disons, les tensions dues aux différences d'origine. Mais le sport a été aussi pour quelques personnages, pour quelques stars dans les respectives disciplines, un instrument privilégié de la mobilité ascendante. Et l'exposition que j'ai pu voir dans sa forme réduite à Bologne cite au moins deux histoires de succès d'immigrés italiens en France qui seront célébrées à leur retour et qui, dans leur respectif parcours, portent dans leur expérience les traits distinctifs d'une vaste immigration italienne en France. Il y a le cas de Maurice Garin, qui naît à Arvier, tout près d'Aoste, et qui, à 14 ans, émigre avec sa famille en France. Il est ramoneur, le Spazzacamino, et il obtient sa nouvelle nationalité au début de 1901. Et deux ans après, en 1903, il sera le premier qui va gagner les Tours de France. Bon, il va terminer premier aussi dans la deuxième édition de la Grande Boucle, mais il sera disqualifié pendant des ans parce qu'il avait été accusé d'avoir pris un train pour parcourir quelques traits de cette compétition. Et sa vie privée sera aussi passionnante et rocambolesque avec quatre mariages, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et disons que le cyclisme sera un peu le sport prince pour
disons, pour les Italiens en France. Je cite seulement l'autre cas, celui d'Alfredo Binda, qui était d'une famille très nombreuse. Il était le dixième des 14 fils d'un petit entrepreneur en bâtiment. Stéphane l'a dit, les maçons, les bâtiments, c'était un des secteurs privilégiés par l'immigration italienne. Il part vers Nice tout de suite après la Première Guerre mondiale. Donc, il fait partie de la deuxième vague de l'immigration italienne en France. Il part avec son frère et il va travailler comme plâtrier, je crois, stuccatore, chez un oncle. Ce qui nous montre aussi une autre caractéristique de l'immigration italienne en France, c'est-à-dire les réseaux familiales qui logent, qui hébergent, qui aident les premiers, l'arrivée des nouveaux venus. Et bon, il va commencer à Nice son activité comme cycliste. Il obtiendra de nombreux succès. Il restera en France jusqu'à 1924. Puis, il rentre en Italie. Il aurait gagné 5 Tours d'Italie, 3 championnats du monde, 4 championnats italiens. Et il représente bien aussi un autre aspect qui avait été cité par Stéphane, c'est-à-dire les va-et-vient de ces migrants. Donc, il quitte l'Italie tout jeune et puis il rentre dans son âge un peu plus mûr. Et le dernier personnage que je voulais citer, c'est Primo Carnera, dont Daniele Marchesini a écrit un livre très important pour l'éditeur Il Mulino. Lui aussi, fils d'une famille très pauvre, lui aussi, fils d'une famille du nord d'Italie, près de Pordenone. Son père aussi, il était émigré en Allemagne où il faisait les mosaïstes. Et Primo Carnera doit émigrer. Il émigre en France, il est logé chez des oncles, il travaille lui aussi en tant que charpentier, et puis il cherche un peu, grâce aussi à son physique très, très puissant, de travailler avant tout dans un cirque où il fait des spectacles de lutte. Et une fois qu'il a quitté le cirque, à Arcachon, il sera noté par un champion français, Paul Journet, qui va le présenter à un manager, et la carrière de Primo Carnera va débuter avant en France et puis aux États-Unis où il deviendra champion du monde en 1933. Et l'histoire de Primo Carnera nous montre un autre aspect, je crois, le fait que les sports n'est pas seulement un facteur d'intégration, mais peut être aussi un facteur de instrumentalisation et de division politique. C'est-à-dire que le XXe siècle, c'est le siècle de la grande politisation du sport, surtout sur les fronts nationalistes des régimes autoritaires. Pourquoi le sport? Parce que les régimes autoritaires, le fascisme en Italie, je cite seulement le nazisme en Allemagne comme exemple de régimes nationalistes et totalitaires, ont un projet qui n'est pas seulement un projet politique, mais qui est un projet anthropologique, c'est-à-dire de créer un homme nouveau. Pour le fascisme, le projet, c'est de créer un homme qui doit redevenir un homme guerrier, retrouver la force de l'ancien empire romain. Et donc, le sport, c'est l'élément qui peut démontrer clairement la nouvelle force, la nouvelle caractéristique de l'homme italien. L'un des expressions utilisées par Mussolini, c'était aucune pitié pour les gras, donc pour les personnes qui ne sont pas en forme physique. Là, je vais montrer juste quelques images et puis dites-moi si vous allez voir l'image de façon correcte. Merci beaucoup. Donc là c'est l'image bien évidemment de Maurice Garin sur le petit journal.
Celui-là, c'est Binda. Binda, qui après son, quand il va se retirer, il deviendra commissaire technique de l'équipe nationale italienne pendant 12 ans. Il sera l'entraîneur de Bartali, de Coppi, etc. Bon, là, ce sont des journaux italiens qui célèbrent la cinquième victoire de Binda au Tour d'Italie. Là, c'est Primo Carnera qui devient un peu le symbole du nouveau italien guerrier, mais qui connaît une destinée très, très triste, parce qu'il sera instrumentalisé par le régime. Là, vous voyez, c'est une photo de Primo Carnera au mois d'octobre 1933, avec la devise de la milice fasciste, avec des autres boxeurs, Locatelli, Tamagnini, Venturi. Il est reçu à Palais Venise par Mussolini et par le secrétaire du parti fasciste Starace, mais aussi bien Mussolini que Starace n'aiment pas se prendre photographe avec Carnera, parce qu'il apparaissait trop petit, trop bas par rapport à Carnera. Et bon, Carnera va perdre sa couronne de champion des poids lourds après des rencontres. Il la va perdre contre un Américain, Max Baer, et un Américain juif. Donc, toute la construction du mythe de l'Italien, du nouveau Italien indestructible, va tomber, et donc on ordonne au quotidien italien de faire disparaître l'image de Carnera, et bon, il aura une destinée très triste. Et pour ce qui concerne l'instrumentalisation et le fait que le sport n'est pas seulement un instrument d'insertion, mais aussi un instrument de division et d'exaspération des nationalismes, je m'arrête en citant le cas de la Coupe du monde française dès 1938, quand l'équipe italienne, là c'est la photo du match contre la France, où il y a l'équipe qui fait les saluts romains et qui joue avec une devise noire en laissant la devise bleue traditionnelle. Mais la Coupe du monde de France 1938, c'est importante aussi pour deux autres épisodes. Le premier, c'est en occasion du match inaugural de l'Italie contre la Norvège, les huitièmes de finale à Marseille. L'équipe italienne est sifflée par des immigrés italiens, par des milliers d'immigrés italiens qui n'acceptent pas les saluts romains et perdent un peu la neutralité dont parlait Stéphane Mourlan avant. Il y a les mémoires de l'entraîneur Pozzo qui dit que c'était inacceptable l'attitude des supporters italiens contre l'équipe nationale. Mais bon, ça c'est un fait. Et l'autre, c'est la stampa en occasion de la Coupe du monde précédente de 1934, mais juste pour montrer l'instrumentalisation, comme vous voyez dans les titres, il y a immédiatement une exaltation du chef du gouvernement, du Duce, tandis que là, ce sont des images des journaux italiens et français. Au lendemain de la victoire italienne de la Coupe du Monde de 1938. Pourquoi je dis qu'il y a un autre aspect à souligner? Parce que c'est une victoire qui est très instrumentalisée, aussi bien parce qu'on a gagné à l'étranger, on a gagné en France, et elle sera utilisée pour célébrer, après quelques mois, l'approbation des lois raciales en Italie. Parce que la victoire italienne dans la Coupe du Monde démontrait une supériorité italienne sportive et aussi militaire. Et là, je m'arrête. Donc, je vous laisse la parole. Et puis, s'il y aura la possibilité, j'aimerais poser une question aussi à Isabelle Renard et à Stéphane Mourlan. Mais bon, on pourra le faire, je crois, après. Merci beaucoup. Ricardo,
alla prima vorrei ringraziare per queste parole sull'attività sportiva nell'immigrazione, che è un aspetto importante della mia ricerca. Potrei parlarne a lungo. J'ai lu un essai che tu hai écrit aussi avec Paul Dichy, remarquable. Esatto. Grazie tante. Bene, allora grazie a tutti naturalmente. Mi chiedevo se c'era un po' di tempo per qualche domanda, se qualcuno aveva qualche intervento, qualche osservazione, forse. Allora, io ho dato la possibilità a tutti di riattivare il microfono, quindi okay, i partecipanti possono. Voi avete in basso un piccolo pulsante reazioni. Se lo cliccate, se avete la nuova versione di Zoom, potete alzare la mano. Esatto. Quando alzate la mano, voi andate in primo piano e noi vi vediamo subito, quindi vi diamo la parola. Ok. Se non Lello trovate il pulsante, potete cominciare Lello a parlare direttamente. Lello tiene tutto sotto controllo. Io sotto controllo. Okay. Forse Riccardo ha una domanda? Sì, io avevo una domanda, peraltro ho guardato le reazioni disponibili, si vede che non ho l'ultima versione perché ho solo il pollice alzato o le mani che applaudono, per cui se è nella parte, per coloro che non hanno come Riccardo la nuova versione, si va su partecipanti e c'è un pulsante alzare la mano. C'era anche una mano alzata, mi sembra di Thérèse Manconi, mi sembra, se non mi sbaglio, ma andiamo in ordine, magari prima la domanda di Riccardo e poi sentiamo Thérèse. Come volete, oui, je peux, bon, serai très, très rapide. Bon, je pense qu'on doit se questionner un peu sur l'articulation entre mémoire et immigration, c'est-à-dire que l'histoire de l'immigration rejoint l'histoire d'un pays parce qu'elle est l'une des composants, comme l'ont dit très bien Stéphane et Isabelle, mais aussi la mémoire de l'immigration rejoint la mémoire d'un pays. Et cette mémoire, mais j'en sais pas beaucoup, donc je voulais demander à Stéphane et Isabelle quelques mots en plus, si c'est possible, me paraît délavée aujourd'hui. Et donc, y aurait-il de fait un déficit de transmission de la mémoire par rapport à l'histoire de l'immigration italienne? Et comment reconstruire et valoriser cette mémoire? Bien évidemment, votre entreprise culturelle a une très grande valeur, mais je me demandais si, d'un côté, c'est vrai, mon impression que cette mémoire est plutôt délavée. Par exemple, en Italie, c'est très délavé la mémoire de l'immigration italienne. Presque personne de mes étudiants sait que plus de 25 millions d'Italiens sont émigrés, que les 47% de la population argentine est d'origine italienne, que jusqu'à il y a 5 ou 6 ans en Australie, la première population immigrée était des Italiens, etc. Et donc, bon, je voulais savoir quelque chose par rapport à la France et quelle est votre impression. Je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, Riccardo, pour cette question effectivement extrêmement importante. Il se trouve que dans mon travail de recherche, d'historien, c'est un aspect sur lequel je travaille d'ailleurs avec des collègues italiens, et j'en profite d'ailleurs pour indiquer que dans la revue du musée, qui est la revue Hommes et Migrations, dont parlait Agnès, j'ai publié l'année dernière avec un collègue que tu connais sans doute, Riccardo, qui est Matteo Sanfilippo. Nous avons publié un article justement sur cette question des mémoires croisées entre Italie et France de cette migration. Et bien sûr, tu as raison. En Italie, les choses sont assez compliquées, ce qui est et intéressant en même temps, parce qu'on voit bien que le fait d'être devenu un pays d'immigration conduit à faire ressurgir la mémoire de l'immigration et à établir des liens entre l'immigration en Italie et l'immigration, même si ce n'est pas toujours des liens toujours féconds et intéressants. Et puis, je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant en Italie, c'est que quand il y a ce souvenir
de la migration, c'est souvent associé aux États-Unis. Et effectivement, tu as raison, la migration vers la France, vers l'Europe, hein, est un peu un point aveugle, un point noir de cette mémoire. Alors, pour revenir à la France, je le disais tout à l'heure rapidement, et la question me permet d'y revenir, Isabelle a bien souligné, à juste titre, que ces Italiens, hein, ont été parmi les étrangers les plus nombreux en France. Ils sont la première nationalité représentée en France jusqu'au recensement de 1968. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des années 1960, ces Italiens, qui sont donc, je le rappelle, les plus nombreux, disparaissent de l'espace public. Moi, je l'ai fait, il y a longtemps, pour ma thèse, lorsqu'on consulte les journaux, les médias, le cinéma, la littérature, ces Italiens sont devenus invisibles. Ils sont considérés comme intégrés, assimilés. Et il est vrai que cet objectif de l'assimilation a beaucoup compté. Et s'il y a des marques d'italianité qui ont demeuré, et tu évoquais, Ricardo, tout à l'heure, le sport est l'un de ces marqueurs. Aujourd'hui, même les descendants d'Italiens restent partagés lorsqu'il y a un match de football entre la France et l'Italie. Et nombreux sont les Français d'origine italienne qui sont des tifosi d'une équipe, de la Juve, de l'Inter, de la Roma, etc. etc. Le Napoli. Mais en revanche, l'un des vecteurs de cette intégration, c'est la langue. Et cette langue italienne, elle a été pour beaucoup perdue. Ce qui me permet de répondre à la deuxième partie de ta question sur les leviers, finalement, de ce retour mémoriel. Les historiens participent. Les travaux des historiens participent de la mémoire collective. Et puis, il y a un certain nombre d'initiatives prises dans le champ culturel, des expositions, mais ce sont aussi des films au cinéma, ce sont des documentaires à la télévision, ce sont des pièces de théâtre qui vont mettre en scène cette histoire et qui vont ainsi permettre de la rappeler. Et puis, il y a des personnalités, j'évoquais tout à l'heure Serge Reggiani, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui des personnalités artistiques de premier plan, mais d'une toute autre génération. Je vais prendre l'exemple de l'un des membres du groupe de rap marseillais IAM, extrêmement réputé en France. L'un de ses membres s'appelle Philippe Fragione. Il se fait appeler Akhenaton. Mais dans ce moment où finalement tout le monde réclame une part justement d'identité, vous savez, vous le connaissez aussi en Italie. En France, nous avons des jeunes gens qui vont porter le maillot, le survêtement de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc. Eh bien, Philippe Fragione, lui, va proclamer ses origines italiennes. Dans des entretiens napolitains, d'ailleurs. Il ne dit pas qu'il est italien, il est napolitain. Et il évoque fréquemment, justement, ses origines, jusque dans ses chansons, où il va publier des morceaux où il évoque ses origines italiennes. Donc, on a, tu vois, plusieurs vecteurs, plusieurs aspects qui, dans le champ culturel, mais vraiment au sens le plus large, font aujourd'hui que l'on assiste à un retour de ce passé migratoire concernant l'Italie et qui avait été longtemps oublié. Stéphane, il y a une question de la part de Elena Palmas. Si elle est là, Elena, elle peut activer son micro et poser sa question. C'est très intéressant, d'abord parce que ce sont des lycéens de Sassari, en Sardaigne, qui... La question est, nous sommes des lycéens de Sassari et nous voudrions savoir s'il y a eu beaucoup d'immigrés sardes en France. Oui, alors, oui, non dans un premier temps. C'est-à-dire que, merci beaucoup d'ailleurs à cette question, et grâce à vous d'ailleurs, puisqu'on ne peut pas voyager, vous me rappelez. Voilà, c'est étonnant, on est à Bologne, on arrive en Sardaigne. Voilà, voilà. Et vous me rappelez de très beaux souvenirs en Sardaigne. Donc merci pour cette question. Non, dans un premier temps, je l'ai dit tout à l'heure,
et je le répète volontiers, les Italiens venus en France jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, hein, ce sont surtout des Italiens du Nord, et surtout d'ailleurs des Piémontais. Hein, des Piémontais, des Ligures, des Toscans, hein, et les Méridionaux, c'est-à-dire les Italiens du Sud, sont peu nombreux. Alors, il y en a certains, notamment pas très loin d'où je me trouve, à Marseille, hein, et on les appelle à Marseille des Napolitains. Alors, ils ne viennent pas tous de Naples, hein, ils viennent en fait de l'ancien royaume de Naples. Hein, ce sont des méridionaux, mais c'est une manière un peu aussi de les déprécier, de les appeler des Napolitains. Il y a d'ailleurs à Marseille un quartier près du port que l'on appelait la Petite Naples. Les Sardes, eux, comme les autres méridionaux, vont venir après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que je peux te dire, ma grand-mère est née à Marseille en 1909 et était napolitaine. Napolitaine verace, comme on dit à Marseille. Davvero. Et effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, les Italiens du Nord ne viennent plus en France. Ils ne viennent plus pourquoi ? Parce que vous le savez, c'est l'époque du miracolo. Et puis, il y a d'autres pays qui proposent des conditions de salaire qui payent mieux, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre. Et donc, ce sont les Italiens du Sud et les Sardes, pour être tout à fait précis, on va les retrouver notamment dans les mines et dans les mines de Lorraine. Je ne sais pas si ces lycéens seront présents lorsque vous recevrez Baru, mais peut-être qu'il pourra vous en parler. Les mineurs sardes sont... on les retrouve dans les mines. Et je dois le dire, mais puisqu'on parlait de représentation, qu'ils ne sont pas très bien vus. Hein, les Italiens du Sud, en fait, ont encore moins bonne réputation. Vous savez, après la guerre, la France établit une sorte de classement des nationalités qu'elle souhaiterait voir accueillir. Alors, il y a en haut du tableau, du championnat, il y a les Italiens du Nord, les Européens du Nord. Mais mon lapsus est révélateur parce que au milieu du tableau, mais un peu au-dessus, il y a les Italiens du Nord. Et les Italiens du Sud, ils sont en dessous. Alors après, il y a les Maghrébins, il y a les Noirs, etc. Bon, eux, on ne veut pas les voir. C'est eux qui vont venir. Et puis, ce sont les Italiens du Sud qui vont venir. Et là, on a tous les stéréotypes. Ces Italiens du Sud, c'est le farniente, des feignants. Attention, mesdames les Françaises, ces Italiens du Sud, ce sont, je ne sais pas comment on dit en italien, des dragueurs. Isabelle, tu vas peut-être m'aider. C'est un mot un peu trop romantique, c'est rubacuori. Rubacuori. Seduttori. Seduttori, esatto. Donc, vous voyez, on est vraiment dans les stéréotypes et pourtant... Et pourtant, ils ont été par leur travail. Et d'ailleurs, nous évoquons justement le travail de ces mineurs dans l'exposition. Nous avions évoqué, ce travail des mineurs dans l'exposition Ciao Italia. Donc, il y a effectivement une composante sarde dans cette histoire de l'immigration italienne en France. Si je peux ajouter juste un mot. Il y a, lié au sport, il y a un très fameux joueur footballeur français, Eric Cantona, qui a des racines du côté de son père, de la Sardaigne. Son grand-grand-père était de Ozieri. Et bon, il aime bien rentrer en Sardaigne. Je crois qu'il a aussi acheté une maison là-bas. Donc, bon, il y en a aussi qui ont des racines sardes, et je crois qu'il faisait partie de la première vague à la fin du 19e siècle. Il était immigré à Marseille. La famille Cantona, effectivement, et d'ailleurs, c'est aussi un parcours, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, ces parcours de grands sportifs, ils sont très intéressants parce qu'ils éclairent finalement aussi le parcours de tous ces anonymes. Et en fait, les Cantona se sont mêlés d'une certaine manière, notamment avec des Espagnols qui ont été très, très nombreux à Marseille. Et puisque tu parles de sportifs, il y a également un grand rugbyman qui est devenu aujourd'hui une vedette des médias, qui s'appelle Vincent Moscato, et qui est aussi d'origine sarde. Merci. Donc, s'il y a d'autres questions ou interventions, tout à l'heure, j'avais vu une main levée, mais je ne sais plus. C'était Thérèse Manconi, c'était ça?
Je me trompe? Non, c'est moi. Bonjour, allez-y alors. La Sardaigne a été convoquée, mais Mancone, c'est aussi un prénom sarde. Donc voilà, donc j'ai des origines sardes moi aussi. Donc, mais vous avez en partie répondu à. J'avais deux questions, vous avez répondu en partie. Moi, j'enseigne le français, langue étrangère à l'Université de Bologne, et je travaille entre autres sur les autobiographies langagières. Et j'ai vu la section très intéressante consacrée aux apports de la langue italienne au français. Mais je n'ai pas vu, effectivement, je ne sais pas, c'est une question, une section consacrée à la, à, disons, à l'apport en littérature des écrivains d'origine étrangère, à ce que certains appellent les exilés du langage ou la rita littérature. Est-ce que, vous avez parlé d'assimilation, est-ce que c'est une spécificité française d'assimiler disons des personnalités qui embrassent, qui s'approprient le français et qui deviennent invisibles en littérature aussi. Voilà, c'était ma question. Merci. Merci pour cette question, effectivement. Pardon. Oui, alors, nous n'avons pas pu embrasser l'ensemble de secteurs culturels, et donc merci de cette question qui nous donne l'occasion de parler de littérature. Peut-être que Isabelle pourra en dire un mot. Moi, je voudrais juste répondre à la deuxième partie peut-être de votre question en apportant une nuance. Il est vrai que la politique qui est menée en France à l'égard de l'immigration est une politique assimilationniste, hein, c'est-à-dire qu'un étranger se doit de s'assimiler au nom d'une forme d'universalisme liée à l'idéal républicain. En France, la République est une et indivisible. C'est-à-dire que, pour le dire de manière peut-être un peu triviale, on y appartient ou on n'y appartient pas. Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, parce que cet idéal, ces idéaux pardon, républicains auxquels nous sommes tous attachés sont aussi quelque part générateurs d'exclusion. En France, moi, je dis souvent à mes étudiants, je leur demande de sortir leur carte d'identité ou leur passeport pour qu'ils vérifient bien ce qu'il y a d'indiqué dessus. Et il y a d'indiqué, je le dis pour les auditeurs italiens, République française. En France, la nationalité est liée à la citoyenneté. Donc, avec cette portée effectivement universaliste qui fait que, et là je vais faire la transition avec la littérature, que la langue française, qui n'est plus, vous le savez, une langue extrêmement pratiquée au niveau international, qui a longtemps d'ailleurs été en Italie la première langue étrangère et qui s'est fait dépasser à partir des années 1960 par la langue anglaise. Et aujourd'hui, les jeunes Italiens parlent plutôt l'anglais et beaucoup moins le français, ce qui n'était pas vrai par le passé. Et l'usage de la langue française est considéré justement comme vecteur de cet universalisme et a tendance effectivement à gommer quelque part les origines. Même si, et je terminerai là-dessus, je donnerai un seul exemple avant de peut-être de donner la parole à Isabelle. Il y a un certain nombre d'auteurs, et je pense en particulier à quelqu'un, encore une fois, je vais puiser dans le contexte marseillais, qui est Jean-Claude Izot, que vous connaissez peut-être, notamment sa trilogie avec son héros, qui est Fabio Montale. Et Izot, qui est lui-même d'origine italienne, au travers de ses romans et en particulier de sa trilogie, redonne la parole, et ça me permet d'apporter un complément de réponse à Riccardo sur la mémoire. Donc, on retrouve finalement cette empreinte italienne, cette empreinte de la culture italienne dans le roman d'Izot, mais il y en a d'autres. Le symbole de cette rita littérature, c'est Cabana et ces fameux ritales qui datent de 1976. Mais pardon, je parle trop. Agnès d'ailleurs, peut-être aussi, je ne sais pas, on a des choses à peut-être à ajouter.
Non, je ne vais pas ajouter, simplement dire, alors effectivement, il y a quelques éléments dans le catalogue, mais comme il s'agissait d'une exposition, c'est beaucoup plus difficile de montrer finalement enfin, des influences en littérature, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a décidé aussi, quand on a parlé de circulation artistique, de se concentrer essentiellement sur les arts plastiques et sur la peinture, mais aussi le cinéma. Il y avait tout un parcours cinéma très important. Et effectivement, dans le catalogue, vous verrez un certain nombre d'articles se référant à ça. Mais on parlait dans ce qui est extrêmement intéressant aussi, on ne s'est pas arrêté beaucoup sur la première slide que vous avez vue, où il y avait cette œuvre, en fait, c'est Vespa, c'est une œuvre d'un artiste, c'est un octogone de Vespa. Et c'est une œuvre d'un artiste égyptien qui s'appelle Motaznar. C'est un artiste contemporain de renommée internationale, Motaznar, qui a fait cette œuvre en 2013 et qui l'a intitulée Vacanze Romane, parce qu'il faisait effectivement référence au film de Wheeler, où effectivement, qui a immortalisé hein, les balades en Vespa d'Audrey Hepburn. Et, voilà. Et en fait, on a voulu vraiment montrer, pour montrer encore l'importance et les empreintes finalement de cette culture italienne à travers un de ces éléments, la Vespa. Et nous, on avait voulu montrer cette œuvre en entrée, comme ça, comme un des éléments métonymiques, hein, et qui nous amenait aussi à la quatrième partie, ce moment de la Dolce Vita, c'est le moment où Fellini gagne la Palme d'Or, où le flux, comme le rappelait Stéphane tout à l'heure, s'inverse. Maintenant, on va en Italie, enfin, le flux touristique plutôt, nous allons en Italie pour ce pays de la beauté, de la douceur, de la Dolce Vita. Et nous avons vraiment voulu mettre cette pièce qui faisait aussi un lien avec toute la partie de l'expo jusqu'à la fin dédiée aux empreintes. Et alors, juste pour une toute petite anecdote, je ne sais pas si vous avez vu dans la dernière slide aussi où nous avons mis un certain nombre d'éléments comme Pinocchio, la cafetière, etc. Et puis, donc nous avions un vrai dessin de Modigliani et puis en fait, c'est très difficile d'avoir des Modigliani, il faut les réserver des années à l'avance. Et un jour, notre commissaire général se promenait au marché d'Aligre, pour tout vous dire, qui est à deux pas d'ici d'où je vous parle, qui est un marché opus, et il a retrouvé une reproduction de la femme à la cravate noire de Modigliani. Et donc, il a acheté tout de suite 5 euros, il l'a amené et on l'a mise dans l'exposition en spécifiant bien que c'était une reproduction info Modigliani, etc. Mais c'était montrer l'importance. Et je me souviens, parce qu'on cherchait avec Stéphane, Dominique et moi, on voulait vraiment avoir un Modigliani. Et un jour, Dominique nous appelle en disant « Je l'ai, c'est bon, vas-y, t'inquiète pas. » Et en fait, il nous avait amené cette reproduction, mais pour montrer l'importance, effectivement, de cette peinture de Modigliani qui est représentée partout. Tout le monde a un Modigliani chez soi. Quoi. Enfin, voilà, une affiche. Voilà. Donc, je voulais vraiment insister un peu sur ce et puis sur des choix. Effectivement, une exposition, c'est malheureusement toujours, enfin, c'est malheureusement, heureusement, c'est toujours des choix. Donc, il y a des choses qu'on met de côté. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est essayer de mettre en scène, de donner à voir, de rendre visible finalement. Et on a plutôt privilégié les arts plastiques. Merci, merci beaucoup. Il est 8h. Moi, je crains. Ah, pardon, il y avait quelqu'un. Il y a Agnès. Je crois qu'il y avait Agnès, effectivement. Oui, pardon. Je voulais juste apporter une question dans le chat. Enfin. Ah oui. Je voulais juste apporter un petit complément par rapport à la remarque qui venait d'être faite. C'est que, comme le disait Isabelle, faire une exposition, ce sont faire des choix. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité, je pense que mes collègues ont souhaité qu'il y ait une présentation générale du musée, puisque comprendre ce fait de société, qu'il soit historique, sociologique, culturel, social, économique, et la migration dans l'histoire d'un pays, c'est le prendre par des approches un peu, comme on dirait aujourd'hui, intersectionnelles, interdisciplinaires. Et donc, il faut voir les choses comme un tout, c'est-à-dire que l'exposition temporaire est une partie de cette façon d'approfondir, de comprendre ce phénomène. L'exposition permanente va apporter un autre élément. Et pour la littérature, on a eu ce sentiment aussi qu'il fallait mettre un accent sur la littérature. Et c'est pourquoi on a créé le prix littéraire de la Porte Dorée qui permet justement de mettre un éclairage important chaque année sur les écrivains dont la langue française n'est pas leur langue peut-être d'origine, mais qui s'expriment dans cette langue-là pour apporter justement encore une richesse à la littérature française. Donc, il y a vraiment une approche sur toutes les disciplines. La programmation culturelle et artistique vient aussi compléter à chaque exposition temporaire le travail qui est présenté dans la dimension plus muséographique, historique, artistique et culturelle. Et puis, juste un point par rapport à ce que disait
Stéphane Morlan sur la langue française. Certes, la langue française décline peut-être, mais enfin, ça reste quand même la cinquième langue la plus parlée au monde et une langue très empruntée dans le monde des affaires, justement. Donc, il y a quand même quelque chose de paradoxal et une contradiction, c'est vrai, dans les valeurs que porte cette République française, à la fois cet universalisme qui voudrait mettre en avant la laïcité et la citoyenneté et de ce fait efface un peu les différences, et c'est ce qui malheureusement revient comme un boomerang de façon très, très dure en ce moment, avec des situations de discrimination très fortes, à force d'avoir nié ces différences. Et aujourd'hui, on peut voir, pour autant, ne pas tomber non plus dans un multiculturalisme qui juxtaposerait toutes les différences, sans que pour autant elles se connectent et un dialogue entre ces différentes héritages culturels. Donc, moi, ce que j'observe, c'est aujourd'hui, l'approche de la mémoire n'est pas tout à fait le même, y compris depuis le démarrage du musée où on avait des associations qui étaient tenues par des migrants qui avaient eux-mêmes fait le passage de la migration et qui avaient besoin de raconter cette mémoire de leur histoire, de leur mémoire tout à fait légitime pour montrer leur participation à l'histoire de France. Aujourd'hui, je remarque plutôt dans les nouvelles générations que cette mixité, que la République française le veuille ou non avec son universalisme, cette mixité, elle existe en France. Le problème, c'est qu'elle n'est pas nommée, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas valorisée. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui ont plutôt envie de parler de comment ils combinent dans leur identité diverses appartenances, et ils n'ont pas forcément envie de mettre en opposition leur appartenance d'origine avec leur appartenance d'accueil. Et parfois, c'est la société qui leur renvoie cette pression pour faire un choix que finalement, ils n'ont pas envie de faire parce qu'ils sont autant italiens que français. Moi, j'ai deux filles allemandes et françaises, et quand on dit qu'elles sont franco-allemandes, elles s'insurgent violemment en disant « mais on est 100% françaises et 100% allemandes, on n'a pas à choisir ». Et aujourd'hui, il y a une identité nouvelle qui se crée dans ces mélanges, et peut-être que c'est intéressant si on met ça dans la perspective européenne, de peut-être créer une citoyenneté qui sortirait de ces identités nationales. Voilà, c'était juste… Ce qui est intéressant avec l'intervention d'Agnès, ça permet de dire qu'on a remarqué auprès des visiteurs de Ciao Italia, alors que dans l'exposition, nous ne faisons jamais référence à l'actualité, à des migrations postérieures, mais qu'en revanche, les visiteurs, eux, faisaient systématiquement le lien entre cette histoire qui était racontée, cette histoire, donc, on a dit tout à l'heure, un peu oubliée, et une actualité plutôt contemporaine. Et ça, je dois dire que pour nous, Isabelle et Dominique et toutes les équipes du musée, ça a été une réelle satisfaction parce que c'est quand même le sens premier à la fois de l'histoire, mais aussi de ces formes de médiation que sont les expositions, eh bien, c'est de faire réfléchir aussi, hein, pas seulement d'apporter des connaissances, mais aussi de faire réfléchir. Merci. Oh, il y a une autre question. Je voudrais juste ajouter une chose au beau mot d'Agnès, de vous tous, à propos de cet universalisme un peu méconnu. Je crois que cet universalisme, heureusement, se porte bien, comme la langue française se porte bien, peut-être hors de la France, parce qu'il y a 280 millions de locuteurs qui parlent français et qui seront 400 millions de locuteurs d'ici 30 ans, surtout en Afrique, et la langue française évolue avec ces locuteurs-là. Donc, la France et le français de France sera en des Français, et la francophonie porte ses valeurs universelles sur la planète, sur les 100 continents. Dernière question de Marinette Pendola. Après la fin de la colonisation, beaucoup d'Italiens émigrés en Afrique du Nord préfèrent s'installer en France en renonçant à leur origine italienne. Comment sont-ils perçus? Font-ils partie de ce qu'on appelle les pieds noirs? Oui, merci là aussi pour cette question.
qui vient d'ailleurs combler ce qui a pu être, non pas un reproche, mais ça a pu nous être fait remarquer. C'est vrai que Ciao Italia se concentre principalement, même uniquement, sur la France métropolitaine. Hein, et nous en avions tout à fait conscience. Or, il y avait effectivement des étrangers, et notamment des Italiens, dans l'empire colonial français. Il y a en Tunisie, vous savez qu'en Tunisie, au moment où la France établit son protectorat, la principale nationalité européenne, ce sont les Italiens. Il y a 80 000 Italiens présents en Tunisie à la fin du 19e siècle, mais on retrouve des Italiens en Algérie, hein, on en retrouve au Maroc également. Et effectivement, c'est d'ailleurs, il faut le dire, hein, un aspect encore assez méconnu sur lequel les historiens ont encore beaucoup à travailler, eh bien, ces Italiens, hein, eh bien, au moment de la décolonisation, se sont, et là aussi j'ouvre des guillemets, rapatriés en France, hein, et non pas dans leur pays d'origine. Alors, je pense que ça, il est un peu tard, ça sera un peu trop long. Je crois que ça a beaucoup à voir avec ce que l'on appelle la situation coloniale, le cosmopolitisme colonial, qui finalement fait, comment dire, dominer une identité plus européenne, plus transnationale que l'identité nationale d'origine. Ils sont, pour répondre à une partie de la question, effectivement considérés comme des pieds noirs, c'est-à-dire qu'ils arrivent en France au moment où les Italiens sont devenus invisibles, je le disais tout à l'heure, hein, et ils sont noyés, si vous me permettez l'expression, dans la masse des rapatriés que l'on appelle effectivement des pieds noirs. Et comme ces pieds noirs, eh bien, ils ne sont pas très bien accueillis. Hein, ils ne sont pas très bien accueillis parce qu'en fait, rien n'était préparé pour leur accueil, et on va retrouver y compris un certain de ces Italiens, et notamment ces Italiens de Tunisie, eh bien, dans des situations extrêmement précaires, hein, dans des camps, dans des bidonvilles, donc des conditions d'intégration extrêmement difficiles, et sur lesquels il reste encore à travailler. Donc c'est très bien que ça soit la dernière question, puisque en fait elle ouvre des perspectives pour les historiens. Merci. Je pense qu'il commence à être 8 heures, donc il y a matière pour encore 15 rencontres, je pense, 15 dialogues, et j'espère qu'on aura vraiment la possibilité de continuer ce dialogue très, très, très intéressant, il me semble. Et je pense aussi que nous avons tous grande envie de visiter des expos, pour vous peut-être d'organiser des expos avec un vrai public, un réel, un présentiel, et ça sort de notre dialogue d'aujourd'hui, je crois. Donc voilà, ce n'est que partie remise, on va reprendre la question. Je vous remercie tous encore une fois de la part de l'Alliance française de Bologne. Je ne vous nomme pas encore une fois tous, mais les intervenants, oui, donc Stéphane Mourlan, Agnès Arquez-Roth, Ricardo Brizzi, Isabelle Renard, vraiment un grand plaisir de pouvoir vous écouter aujourd'hui et apprendre des choses sur le musée de l'immigration, sur cette expo. Et nous vous attendons tous, ceux qui peuvent, passer par Bologne à l'Alliance pour voir l'expo qui est en partie, qui reprend et qui reprend en partie l'expo de musée de l'immigration. Merci Lello, merci Monsieur Alain. Merci à vous. Merci à Saint-Marin. Merci Stéphane. Saint-Marin, qui est un musée de l'immigrant lui aussi. Et donc, on avait beaucoup d'alliances françaises italiennes qui ont participé. Et chose belle et qui m'a surpris, mais que j'apprécie beaucoup, la présence de ces lycéens sardes qui ont participé. Merci. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Ciao, ciao à tous. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao à tous et à toutes. Au revoir. Grand merci. Au revoir et merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Grand merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Ciao, ciao, ciao.